אנחנו פה כי אנחנו נלחמים על מדינת ישראל. זה היום שלנו. זה היום של כל מי שאוהב את ארץ ישראל. הבחירות הללו הן בין שינוי ותקווה לבין ייאוש ואכזבה. כמה שיהיה לנו יותר מנדטים, יהיה לנו יותר כלים לעשות רפורמות ושינויים לטובת אזרחי מדינת ישראל. I just said the obvious for me, that this would not be an obstacle to form another government and to change Netanyahu's government. Bonsoir à tous, soirée spéciale élection israélienne sur i24 News. On est ensemble sans doute jusque très tard ce soir, peut-être même cette nuit. Cela dépendra évidemment des événements. Premières estimations dans 2 heures maintenant, au moment où fermeront les bureaux de vote ici en Israël. Car en ce moment même, donc, il est encore possible de voter, ce qui veut dire que les résultats peuvent évoluer dans les 2 heures qui viennent. Nous avons prévu évidemment un dispositif très important pour vous faire vivre au plus près ce moment si important et palpitant dans la vie d'un pays, même si ici en Israël on est de plus en plus habitué à voter dans des tranches rapprochées, des élections qui s'annoncent très incertaines, comme le laissaient entendre les derniers sondages, et puis surtout une journée de vote qui a été marquée par des événements, on va dire, assez inhabituels, comme des déclarations de plusieurs candidats qui ont obligé d'ailleurs la commission électorale à intervenir. On va en parler. D'abord, présentation de nos premiers invités de cette longue soirée. Bonsoir, Avi Pazner. Vous nous donnerez le point de vue d'un diplomate. Objectif. Moi, je ne suis d'aucun parti, donc je serai objectif. Exactement, c'est ce qu'on attend de vous dans cette soirée. À côté de vous, Benjamin Lashkar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole francophone du Likoud, donc, et de la liste conduite par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Laurent Siget, bonsoir. Vous faites partie donc de l'Union sioniste emmenée par Herzog. Et puis Amir Badran, bonsoir. Vous représentez donc la liste arabe commune, pas unifiée, même si c'est une union de plusieurs partis qui ont réussi donc pour la première fois à s'unir. On va vous montrer également notre dispositif sur le terrain, car toutes les équipes d'i24 News sont mobilisées pour vous donner le maximum d'informations. Ce soir, vous allez avoir tout d'abord Julien Balloul, qui se trouve avec nos autres envoyés spéciaux, des chaînes anglophones et arabophones d'i24 News, au QG de l'Union sioniste. Vous voyez, pour l'instant, tout est calme, évidemment, puisqu'il va falloir attendre 2 heures pour les premières estimations. Nous serons également à Nazareth, fief de la liste arabe commune, avec Léa Berdugo, Hicham Farid, Shai Ben-Ari. Nous irons également à Jérusalem, au siège de la Knesset, et là où se trouve la commission centrale électorale, avec Maxime Pérez, qui nous donnera d'ailleurs dans un instant eh bien, les premières indications sur la participation à cette heure précise. Et puis nous irons également au quartier général du Likoud avec Cyril Amar, Mohamed Magadi, David Matlin, pour là aussi avoir les premières réactions, sans doute là aussi à 22 h, beaucoup d'effervescence au moment des premières estimations. On va d'abord vous montrer eh bien, comment s'est déroulée cette journée de vote en Israël, car c'est évidemment aussi l'occasion d'observer de très près le processus électoral en Israël. C'est un reportage de Maël Benoliel. Le jour du scrutin est arrivé et les Israéliens sont au rendez-vous. Ici, dans cette école du nord de Tel Aviv, les « à voter vos bons trains » depuis 7 h du matin. Je me sens très bien, j'ai plus de 94 ans, je suis venue toute seule. Ces élections vont déterminer l'avenir du pays, sache-le, c'est très important. Je ressens de la fierté car je pense que pouvoir voter est un droit très important en tant qu'Israélien et j'espère que les résultats de ce vote feront bouger les choses dans ce pays. On est venu avec les enfants pour voter et leur montrer ce que c'est que la démocratie. Maintenant, on va peut-être aller à la plage ou recevoir des amis. On va s'amuser en tout cas. Après l'effort et en attendant les premières estimations, le réconfort. Une fois leur devoir de citoyen accompli, les Israéliens ici à Tel Aviv ont pu profiter en famille, que ce soit à la plage, dans les parcs ou en terrasse de café, d'une journée particulièrement ensoleillée.
Car qui dit jour des élections en Israël dit aussi et surtout jour férié. C'est un jour de repos ici, donc les gens en profitent au maximum. D'abord ils vont voter, puis ensuite ils s'amusent. Déjà que ces élections nous coûtent beaucoup d'argent, autant en profiter. D'autres préfèrent commencer par en profiter avant de se rendre aux urnes en fin de journée. C'est au choix. On se balade, on profite du soleil parce que jour de vote égale repos. On va retourner à la maison tout à l'heure et puis on décidera pour qui voter. On n'est pas encore sûr. Mais ceux qui profitent le plus de cette journée fériée, ce sont peut-être les nombreux commerçants qui ont préféré rester ouverts. On a l'impression que c'est le week-end, bien que nous sommes en milieu de semaine. Mais là, c'est les élections, donc les gens en profitent et c'est bien pour nous. Nombreux aussi sont les Israéliens à respecter une coutume toute particulière, celle du célèbre barbecue en famille dans un des parcs de la ville. On est parti ce matin avec ma femme au bureau de vote, après on est allé faire des courses et puis j'ai invité toute la famille à venir ici pour faire un barbecue. Allez, maintenant à ton tour de venir manger. Une véritable ambiance de week-end ici à Tel Aviv pour ce jour de scrutin. Une journée qui ferait presque oublier que dans quelques heures, la vie politique du pays pourrait peut-être basculer. Voilà, on pourrait avoir l'impression que c'était un reportage de vacances, mais on est bien en train de s'occuper de choses sérieuses et donc du renouvellement de cette Knesset et d'un nouveau gouvernement. On va d'ailleurs avoir tout de suite une première indication de la participation en rejoignant donc précisément à Jérusalem, à la Knesset, Maxime Pérez. Bonsoir Maxime, juste derrière vous donc le comité central électoral qui gère donc ces élections. Quelles sont les informations dont vous disposez, Maxime? Bonsoir. Oui, eh bien écoutez, ici depuis la commission centrale de la Knesset, commission électorale, eh bien on attend dans quelques instants l'annonce du tout nouveau taux de participation de ces élections israéliennes pour la 20e Knesset. Il y a de cela 2 heures, aux alentours de 18h heure israélienne, il avoisinait le taux de 54,6%, en baisse d'un point par rapport à 2013. Mais attention, cette fois-ci, les sondages concerne près de 9000 bureaux de vote sur les 10 000 qui sont ouverts aujourd'hui dans tout le pays. Il n'était que 400 à avoir été comptabilisés en temps réel en 2013 lors du précédent scrutin. Néanmoins, on entend ici et là des critiques comme celle du procureur de l'État qui tout à l'heure s'est exprimé au sujet de ces élections et qui a affiché une certaine déception puisque les responsables politiques avaient plutôt fixé la barre des 70% autour du taux de participation. Il n'est pas sûr à ce stade que ce taux de participation soit atteint et le procureur de l'État qui a signifié que si le scrutin s'était déroulé d'une autre manière avec par exemple recours du vote électronique, des empreintes digitales, et bien certainement les Israéliens se seraient peut-être rendus, auraient été plus nombreux à voter. Toujours est-il qu'on attend ici aux alentours de 8h30, heure israélienne, dans une vingtaine de minutes, une nouvelle estimation de ce taux de participation. Maxime, une précision, parce que dans 2 heures, on aura les premières estimations, ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes. Résultat officiel, pas tout de suite, hein. Non, c'est un long processus, une longue nuit qui s'annonce ici à Jérusalem et notamment au sein de cette commission centrale électorale de la Knesset qui va réceptionner au fur et à mesure toutes les urnes qui sont acheminées en ce moment même depuis certains bureaux de vote où évidemment moins de gens sont concernés par le vote. On pense notamment aux kibbutz, aux bases de l'armée israélienne, dont les bureaux de vote se sont fermés un peu plus tôt que la moyenne. Et donc, le comptage des votes va d'ores et déjà démarrer. Il va être enregistré dans un système informatique. Et donc, dès 22h, il y aura une première estimation. Demain matin, nouvelle estimation. Et si tout se passe bien, jeudi, normalement, devraient être communiqués les résultats définitifs. Il faut également préciser qu'il y a eu, selon la police, relativement peu de dysfonctionnement et de plaintes pendant ce scrutin. Une cinquantaine d'enquêtes après des incidents dans des bureaux de vote ont été ouvertes et elles sont actuellement en train d'être élucidées. Hein. Il y a eu des fraudes, il y a eu des enveloppes qui ont été introduites illégalement dans certains bureaux de vote. Tout cela peut potentiellement retarder un petit peu l'échéance, le dépouillement, mais pour l'instant, les autorités et cette commission électorale qui n'est
qui a pris quelques minutes de pause, est assez optimiste sur le déroulement de ces prochaines heures. Merci Maxime Pérez. On vous retrouvera tout au long de cette soirée, évidemment, pour suivre l'évolution de cette participation. Premier tour de table là-dessus. On a parlé, on a entendu dire qu'il y aurait des mobilisations très importantes. Finalement, on s'aperçoit que le taux de participation du Pazner est... D'ailleurs, je dois dire que l'atmosphère qui règne aujourd'hui en Israël est une atmosphère festive. C'est vraiment la fête de la démocratie. Vous voyez les gens à la mer, vous voyez les gens qui font des barbecues. Cela contraste avec la vénémosité de la campagne, des fois, avec vraiment une campagne très dure. Et cela peut expliquer aussi le taux de participation modéré, comme il paraît. Ça peut encore changer. Et c'est pas, le public, peut-être, ne prend pas part à cette discussion tellement empreinte de passion et de bras de fer politique. Le public a l'air beaucoup plus calme. Et c'est peut-être pas étonnant, parce que aller aux urnes chaque deux ans, c'est trop. Ouais. Et les gens sont fatigués. Okay, les gens disent, c'est trop. On peut aller voter une fois tous les quatre ans, il ne faut pas aller voter une fois tous les deux ans. Donc cela peut expliquer le taux de participation qui est comme celui-ci d'il y a deux ans. Benjamin Lachkar, un mot sur ça. Je suis relativement d'accord. J'espère que les gens vont aller voter. J'appelle tous les gens qui n'ont pas encore voté à aller voter. C'est sûr que la campagne a été vraiment détestable, surtout du côté adverse, évidemment. Mais la campagne a été détestable. Je comprends que beaucoup de gens soient démobilisés. Et il y a encore deux heures pour voter. Et j'espère que les gens vont utiliser ces deux dernières heures pour exprimer leur opinion, exprimer la vision qu'ils ont d'Israël et du futur qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin de 7h du matin jusqu'à 16h en tant que président d'un bureau de vote au centre de Tel Aviv. Je dois dire qu'il faudra voir quels sont les gens qui ont été votés et qui n'ont pas été votés. Parce que moi, dans mon bureau de vote, qui était un bureau extrêmement important avec plus de 800 électeurs au centre de Tel Aviv, c'était un gros bureau, nous avions à 16h 53% de participation. Ça veut dire qu'il faut voir qui est motivé pour aller voter, qui est resté à la maison. Il faudra voir s'il n'y a pas une disparité entre les motivés et les non motivés. C'est ce que nous devrons voir au moment où nous aurons les résultats partiels et de voir ville par ville ce qui s'est passé. Effectivement, tous les deux ans, c'est trop. Un changement du système électoral peut-être aussi serait le bienvenu pour que les gens puissent voter. Moi, je crois que le système électoral devrait être un système de type mixte, où on aurait 60 députés qui seraient élus de façon directe dans des circonscriptions et 60 députés qui seraient élus d'une façon nationale. Je crois que ça permettrait aussi aux gens de voter aussi pour des personnes auxquelles ils croient et d'un peu plus s'identifier aux candidats. Alors, Amir Badrad, on pensait justement aujourd'hui que la communauté arabe israélienne se mobiliserait plus parce qu'il y a cette liste commune. Ça ne semble pas pour l'instant être le cas, d'après les chiffres de la participation, qui ne montrent pas... Il faut comprendre deux choses qui se partagent. D'abord, quand on parle du taux de participation, on parle de taux de participation national. Mais ceci dit, il faut comprendre que ce taux national, il a un taux de participation auprès de la minorité arabe. Donc quand on parle d'élever le taux de participation, surtout par exemple dans la ville de Jaffa, dans laquelle moi j'étais aujourd'hui inspecteur sur les urnes de Jaffa, donc le but était justement de viser auprès de cette minorité-là, d'élever le taux de participation qui était autour de 50% dans les élections d'avant. Donc on essaye d'élever la barre pour en arriver à 70. C'est vrai que la barre elle est très haute levée. Ceci dit, il y a quand même une certaine mobilisation du côté de auprès de cette minorité. Et d'ailleurs, on le voit. Il faut comprendre que d'une manière différente aux autres campagnes électorales qu'Israël a vécues, en général, on voyait plus de bougeottes, comme on peut dire, dans les rues, avec toute cette propagande des différents partis. Et on voyait moins de bougeottes dans les urnes, alors que cette fois-ci-là, dans les rues, il y avait guère de, à peine, vraiment rien de campagne électorale. On voyait absolument aucun mouvement d'aucun parti.
Mais dans la journée et surtout dans la matinée, qu'en général, il n'y a pas un taux d'élevé important, là par contre, auprès de la minorité arabe, on a vu quand même une pas mal avance envers les urnes. Bon, vous dites qu'il n'y a pas eu de mouvement politique aujourd'hui, en tout cas dans les rues peut-être, mais en tout cas, les candidats, eux, se sont activés. Juste petite remarque, je suis d'accord avec ce que dit Amir, mais je crois que le caractère aussi de la campagne a changé. Aujourd'hui, moi j'étais assis là en tant que président du bureau de vote, je peux vous dire que la moitié des gens se sont photographiés sur Facebook. Je veux dire, aujourd'hui, il faudra presque faire un isoloir avec une photo automatique pour se mettre sur Facebook, parce que tout le monde s'est mis sur Facebook. Donc le caractère a changé. Il est moins dans la rue, moins de tracts, moins d'activistes, mais si vous regardez votre smartphone aujourrai, vous recevez... Ils ne montrent pas malheureusement ce Les gens se photographient dans l'isoloir avec le bulletin et leur figure et le mettent. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé par rapport aux dernières élections. Mais j'aimerais faire une remarque générale. Je crois que notre système de propagande électorale est archaïque. En tout cas, aujourd'hui, il a atteint quelque chose d'étonnant. Parce que quand on voit un Premier ministre candidat s'exprimer comme l'a fait aujourd'hui Netanyahou, c'est quasiment unique. Je crois, et je ne me rappelle pas une occasion comme celle-là, mais il n'a pas été le seul. Mmh. Je crois que Herzog, lui aussi, voulait faire. Et moi, je crois qu'il faut respecter les règles du jeu. Les règles du jeu sont, dans les 24 heures avant les élections, il n'y a plus de propagande. Maintenant, je dis que notre système est archaïque. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, sur Facebook, sur Internet, il n'y a pas de limite. Mm-hmm. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Et puis, les partis sont limités d'une façon pas naturelle, avec ces deux semaines de propagande à la télévision, que personne ne regarde d'ailleurs. Mm-hmm. Ça, c'était bon dans les années 70 du siècle passé. De toute façon, c'est quelque chose qui devrait être annulé. Je dis, voilà, justement, il faut changer, il faut s'adapter à l'ère moderne. Je suis parfaitement d'accord, mais une des premières choses à faire, à mon avis, c'est surtout réduire le temps de la campagne électorale. C'est aberrant qu'en Israël, une campagne électorale, ça soit au minimum 3 mois. Dans d'autres pays, au Danemark, par exemple, c'est 3 semaines. Mm-hmm. 3 semaines, on va dire 1 mois, c'est largement suffisant pour faire une campagne. Les gens sont vraiment épuisés. Le public est épuisé, les candidats sont épuisés. La campagne dérape, évidemment, parce que c'est beaucoup trop long. Mm-hmm. Une campagne d'un mois, c'est largement suffisant dans une démocratie, et pas plus que ça. Bon, vous nous donnerez votre avis. Aux États-Unis, 2 ans de campagne. Ouais. Hein. Vous avez d'abord les primaires et vous avez 2 ans de campagne. Il y a la campagne officielle et puis la campagne qui dure depuis pendant des années. Alors, je voudrais qu'on retrouve dans la salle de rédaction d'A24News l'un de nos analystes politiques, Daniel Haïk, pour avoir justement avec lui peut-être les dernières indiscrétions. On donne pas de chiffres encore. Hein. Bonsoir, Daniel. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure-ci, Daniel, en fonction du taux de participation ? Eh bien, d'abord, qu'on ne peut pas vous fournir d'indiscrétions concernant les résultats de ces élections, puisque pour l'instant, il y a des rumeurs, il y a des tendances, mais on n'a absolument pas le droit de les révéler avant l'heure fatidique, avant quelques minutes, peut-être même avant l'heure fatidique. Mais pour l'instant, on doit effectivement se contenter d'analyser le taux de participation. Et ce taux de participation est moins élevé qu'on ne le pensait. Et quelque part, c'est peut-être cela peut être perçu comme une forme d'échec ou comme une forme de frustration de la part du camp sioniste qui a vraiment investi beaucoup de moyens au cours des dernières semaines pour appeler l'électorat de gauche ou de centre-gauche à aller voter. Il est de tradition que l'électorat de gauche, dans certaines campagnes électorales, était relativement démobilisé. Et on avait appelé à de multiples reprises. Il y a eu des messages qui sont passés très clairement de la part des dirigeants comme Yitzhak Herzog, comme Tzipi Livni, des messages appelant les électeurs de la gauche ou du centre-gauche à aller voter. Et si le taux de participation n'est pas particulièrement élevé, s'il n'est pas au-delà du taux de participation de 2013, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas eu un répondant véritable de la part de cet électorat, de la part de ses sympathisants. Et donc, c'est la preuve, peut-être, c'est peut-être une donnée encourageante pour le camp de centre-droite ou pour
pour le Likoud, Benjamin Netanyahou. Merci Daniel Haïk. On vous retrouvera en studio évidemment à 22h pour analyser les premières tendances. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit, ça veut dire que Daniel a une idée de qui est allé voter et qui n'est pas allé voter. Pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les villes où on a voté plus et les villes où on a voté le moins. Moi, je peux vous dire qu'à Tel Aviv, la mobilisation était grande. Et aux dernières élections, à Tel Aviv, on a voté à 62,6%. Je suis convaincu que ce soir, ça va avoisiner les 70%. Mmh. Parce qu'il y, y avait une grande mobilisation, justement, des gens qui ne voulaient pas Netanyahou. Amir Badrane, aujourd'hui, on a vu Benjamin Netanyahou appeler à voter, justement, ses sympathisants, parce qu'il a dit qu'il y a une mobilisation très forte de la population arabe israélienne. C'est quelque chose d'assez inhabituel, quand même, d'entendre un Premier ministre candidat dire cela le jour de l'élection. Comment est-ce que vous interprétez, justement, propos, disant qu'il y avait un danger pour la droite parce que les Arabes israéliens se mobilisaient. Alors, justement, je voudrais, pour citer ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahu, c'était « le pouvoir de la droite est en danger, les Arabes avancent en masse aux urnes ». Alors, c'est des propos qui sont très mauvais, d'ailleurs, et émanant d'un Premier ministre. Et c'est sûr qu'il est inquiet. Et il est déséquilibré et en même temps, ça a une très forte connotation péjorative. Imaginez qu'un président en France dit, voilà, il appelle les Français, il dit, voilà, les Français, allez tous en masse aux urnes parce qu'il y a les Juifs qui votent un peu trop. Ou les Arabes. ou les Arabes. Alors imaginez, ça a fortement une connotation péjorative. Le Premier ministre a essayé, soi-disant, de justifier en se disant non, en fait, il y a des mouvements et des groupes de l'extérieur qui essayent de financer ces groupes. Peu importe. La chose a été dite. Et elle a été dite, et elle voulait révéler quelque chose qui était caché à l'intérieur. Et ce qui était caché à l'intérieur est sorti aujourd'hui lorsque ce Premier ministre-là a senti que maintenant son siège, il est déséquilibré. Et là, il a sorti la vérité qu'il croit envers cette minorité arabe. En fait, il ne trouve pas en cette minorité arabe une partie cohérente et une partie adhésive de ce peuple ou de ces citoyens israéliens. Mais en fait, il trouve en eux une minorité qui le rivalise, qui est antagoniste envers lui. Et ce sont des propos très, très graves. D'ailleurs, certains journalistes ont repris ces pauvres propos et ont analysé ça. On a dit c'est du jamais vu. D'ailleurs, on sait que le président de la commission de l'élection, c'est un arabe. C'est Salim, c'est le juge Salim Joubran de la Haute Cour de justice. Et lui, il a interdit de diffuser des propos, une conférence de presse que Netanyahou voulait donner. Et là encore, il se prend à lui. Et on ne sait pas exactement de quelle manière il se prend à lui. Est-ce que c'est à cause de cette décision? Est-ce que c'est à cause de son appartenance ou ses origines? Alors, on ne sait pas, mais c'est très grave. Benjamin Lashkar, pour le Likoud. Les propos de monsieur sont très graves, parce qu'il lance des accusations. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du Premier ministre. Les propos que vous venez de tenir. Mais ce qu'a dit Netanyahou avant, vous trouvez ça normal? Ce que je trouve anormal, c'est qu'une population entière qui représente pas loin de 15% des électeurs. 20% des électeurs. 20% des électeurs. 20% de la population, 15%. Parce que les Arabes de Jérusalem ne sont pas israéliens citoyens, donc ils ne votent pas. Plus ils sont un peu plus jeunes, ça fait 15%. Ce n'est pas très grave. Donc qu'une population aussi importante soit aussi totalitaire dans sa façon de voter. Je veux dire, quand toute une population vote pour un seul parti à 90%, c'est quand même inquiétant, surtout qu'on parle d'une liste communiste stalinienne, nationaliste, islamiste, anti-sioniste, fanatique, anti-homosexuel, anti-femme. Bah, c'est une liste extrémiste qui, dans tous les autres pays. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Le parti communiste et un parti islamiste. Les islamistes aussi, ils ont une. Écoutez, c'est un parti qui s'est réuni avec plusieurs partis. Et les polygames. Et les polygames aussi. Mais c'est interdit par la loi. Nous avons un candidat homosexuel à l'Likoud, Amir Ohana, numéro 31. Non seulement il est candidat. 31, vous imaginez, il va vite rentrer. De toute façon, quel rapport? Il était candidat au poste numéro 31. Vous vous rendez compte de ce qu'on venait de dire?
D'abord, votre Premier ministre a dit quelque chose qui, en tant que juif, oublions maintenant le débat gauche-droite. En tant que juif, je suis honteux d'avoir un Premier ministre pareil. Imaginez-vous qu'un président des États-Unis aurait dit que les juifs des États-Unis votent deux fois plus que leur poids dans la population, ce qui est le cas pendant les élections. Et que c'est inquiétant. Et que c'est très inquiétant et qu'il appelle ses frères chrétiens à aller voter, pour faire barrage aux juifs. Vous imaginez quelle aurait été la réaction? C'est inquiétant. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient. C'est inquiétant pour qui les Arabes votent. Ah non, on s'en fout pas du tout. Vous en foutez qui vote pour. On s'en fout quand on a ministre qui se permet de dire des choses pareilles. Vous en foutez que les gens votent pour l'extrême droite ici? Vous n'en foutez pas? Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Moi j'ai vu, j'étais là à la manifestation de la droite. De la droite que vous avez organisée dimanche. J'y étais. Et vous y étiez. Eh bien, je peux vous dire que moi, ce que j'ai vu, la manifestation de la droite, magnifique manifestation. 700 bus qui sont arrivés. Tous des territoires, pratiquement tout le monde était habillé de la même façon, parlait de la même façon, ressemblait. Il n'y avait ni de gens de Beersheba, il n'y avait pas de gens de Haïfa. Il n'y avait que des colons. Il n'y avait que des colons. Il n'y avait que des colons. Et que 95% des gens qui sont passés là étaient des colons. Il n'y avait pas. Ça a été organisé par Daniela Weiss et par toute l'extrême droite. Alors vraiment, quand vous parlez de stalinisme, la moitié des gens étaient laïcs. Les gens venaient de tout le pays. C'était justement la différence avec la gauche, c'est pas juste des vieux ashkénazes laïcs, c'est des jeunes, des vieux, des laïcs, des séfarades, des ashkénazes. C'est tout ce qui est toute la différence entre la droite et la gauche. Vous êtes un champignon qui a une forte influence. Le peuple d'Israël. Vous prenez des choses qui ont une grande influence. Vous êtes de mentir, c'est pas grave. J'étais devant mon magasin, on a vu 7 ans. Tous les bus, tous les bus. Mathé Benyamin, financé par nos impôts, ils ont tous le même stade. C'était tout le Bnei Akiva qui était là pendant un truc. Mais vous avez pas honte de mentir. Est-ce que vous avez pas honte de mentir? Je voudrais savoir. Parce que dire comme ça des choses devant la caméra qui sont pas vraies, mais qui sont racontées. Non seulement j'étais, j'ai organisé. Alors me dire que tout le monde avait des territoires, alors que les gens venaient de tout le pays, c'est n'importe quoi. La majorité des gens, des colons, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. J'ai photographié moi-même. Alors vraiment, vous rigolez. C'est une publication que la droite a faite dans les journaux. On va pas refaire le procès. Vous êtes à l'intérieur, vous parlez. De ce meeting. Moi j'y étais. Cette manifestation, je voudrais qu'Avi Pazner donne son avis, parce que vous avez peut-être un recul plus important sur ce qu'a dit Netanyahou aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça grave, normal? Grave, non, mais pas normal non plus. Mm-hmm. C'est-à-dire, je vois pas ici... Je crois que Bibi Netanyahou a essayé de dire quelque chose. Il s'est senti un peu... pressionné, ok, depuis 2 semaines, 3 semaines. Il est d'ailleurs sorti publiquement seulement il y a 4 jours, ok. Mmh. Avant ça, il n'était pas très présent. D'une façon, je crois que pour lui, c'est bien. Parce que s'il avait parlé pendant toute la campagne, il aurait été usé à la fin, ok. Donc, il a laissé ses canons sonner les 4 derniers jours. Je crois que ça a eu un effet. Peut-être a-t-il dépassé aujourd'hui, un peu dépassé ce qu'il pouvait dire. Vous êtes gentil avec lui, hein ? Non, je suis gentil parce qu'il s'est excusé, ok ? Parce qu'il s'est excusé. Il s'est immédiatement excusé en disant qu'il ne visait pas la... Il ne s'est pas excusé, il s'est justifié. C'est différent. Il s'est justifié en disant que ce n'est pas la population arabe qu'il visait, mais il parlait, je vous cite Netanyahou, de ceux qui financent certains mouvements. Il a aussi dit que la sortie de Gaza, c'était Kadima qui l'avait faite, alors que c'était le Likoud qui l'avait fait. Il a un problème avec les faits historiques. Il a dit que la sortie de Gaza a été faite par Kadima. Et la sortie de Gaza a été faite sous Sharon par le Likoud. Mais ne laissons pas les faits historiques le troubler. Le Likoud a voté contre la séparation du Likoud. Et donnez-lui les pilules que vous avez votées. 67 à 45 dans les 3 quarts de l'heure. Il a des pertes de mémoire. Il a des pertes de mémoire. Alors, vous parlez du Likoud, justement. On va s'y rendre tout de suite. Le quartier général du Likoud à Tel Aviv avec Cyril Amar, qui suivra toute cette soirée pour nous. Bonsoir, Cyril. D'ailleurs, quelle est l'atmosphère, là, puisqu'on est encore un peu loin de la divulgation des premières tendances. Quelle est l'atmosphère chez vous, Cyril ?
Bonsoir Jean-Charles. Eh bien, écoutez, le décor est planté ici au parc des expositions de Tel Aviv, au siège du Likoud. Le podium attend le discours du Premier ministre qui interviendra aux alentours de 23h, soit à minuit, heure française. En revanche, très peu d'affluence pour l'instant de députés, de ministres, de militants du Likoud. Ils ont évidemment préféré être plus actifs sur le terrain aux différentes intersections d'Israël, car vous le savez, il reste encore quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote et chaque voix compte. Il faudra donc convaincre les quelques 15% d'indécis de mettre le bon bulletin dans l'urne, donc celui du Likoud. En revanche, Jean-Charles, ceux qui sont bel et bien là, et depuis quelques heures déjà, ce sont les journalistes, une véritable cohue de journalistes. J'ai recensé pas moins de 30 chaînes de télévision venues du monde entier, parmi lesquelles d'ailleurs des chaînes arabes, Al Jazeera, La Barilla, Al Arabiya et tant d'autres, venu donc couvrir cet événement qui pourrait être majeur, car on a le sentiment que si un coup de théâtre survenait ce soir, cela pourrait peut-être changer quelque chose pour l'avenir du Proche-Orient. Peut-être que si la droite perdait ce soir, cela rouvrirait la voie aux négociations avec les Palestiniens. Donc c'est une presse étrangère qui retient son souffle ce soir à quelques heures de la fin de cette élection et des premières estimations nationales. Alors un mot, Cyril, parce qu'on a beaucoup parlé des déclarations de Netanyahou aujourd'hui et de ce qu'il a voulu faire. Comment est-ce qu'on analyse tout cela au quartier général du Likoud ? Oui, vous avez raison, Jean-Charles. Benjamin Netanyahou qui a multiplié aujourd'hui les déclarations, car il sait très bien que son parti, le Likoud, le parti au pouvoir, est à la peine. Il est arrivé affaibli pour ce scrutin. Qui eût cru que seulement trois petits mois après le début de cette campagne, celui que la presse étrangère avait couronné le roi Bibi King, serait aussi dévêtu à la veille de ce scrutin et perdrait autant d'altitude dans les sondages. Alors oui, vous avez raison, il a jeté tout son dévolu ces derniers jours pour tenter de renverser la tendance, de resserrer l'écart face à son rival travailliste Yitzhak Herzog. Et c'est un véritable blitz médiatique qu'il a lancé, une véritable offensive médiatique dont le point culminant était peut-être cette conférence de presse invalidée par le président de la commission centrale des élections pour essayer de renverser la tendance, car il est à la peine effectivement et il essaye de renverser la tendance et d'accorder un maximum d'entretien. Tenez-vous bien, Jean-Charles, en une semaine seulement, Benjamin Netanyahou a accordé davantage d'entretiens à la presse israélienne qu'il n'en a accordé en 3 ans de mandat. Alors, va-t-il réussir son pari, stopper l'hémorragie des voix qu'il a laissé filer à droite vers Naftali Bennett ou au centre vers le transfuge du Likoud de Moshe Kahlon avec son parti Kulanu? Ici, on se pose évidemment la question, a-t-il fait le bon calcul politique en convoquant le 8 décembre dernier un scrutin anticipé? Réponse dans moins de 2 heures. Merci Cyril Amar. On va vous retrouver évidemment tout au long de cette soirée pour vivre avec vous et côté Likoud donc cette élection et les premiers résultats. Je voudrais qu'on entre un petit peu dans la fiction, parce qu'on n'est pas loin maintenant du dénouement, mais est-ce que vous avez l'impression, par exemple Benjamin Lashkar, qu'on va avoir ce soir une vision de coalition, peut-être pas d'un Premier ministre ou peut-être d'un Premier ministre possible, ou est-ce que ça va être quelque chose de très serré, très incertain, qui va peut-être obliger à une crise politique majeure pour trouver un gouvernement? D'abord, attendons les résultats, parce que c'est un peu difficile à dire comme ça dans le vide. D'après les sondages qu'on a eus il y a quelques jours, la seule personne qui peut former une coalition, c'est Netanyahou. Herzog n'a pas de coalition dans à peu près aucune configuration. Ou alors des coalitions qui tiendraient 3 jours, parce que les ultra-orthodoxes avec Lapid et Meretz et Lieberman, ça n'a aucun sens, et un gouvernement qui n'aurait aucune politique. Donc il n'a à peu près aucune chance de monter une coalition. Le principal risque pour nous, c'est qu'on soit obligé de faire un gouvernement d'union nationale, ce qu'on ne veut pas, parce qu'on veut que le pays ait une direction, soit la droite, soit la gauche. Et on va voir les résultats, mais je pense que je suis relativement confiant. Et je pense qu'il y aura un gouvernement de droite avec éventuellement Moshe Kahlon. Je crois justement que... il y a une possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Je ne vois pas les grands écarts qui pourraient permettre ni à Netanyahou de former un gouvernement stable, c'est-à-dire d'avoir les 65 ou 68 voix nécessaires pour se maintenir. Je ne vois pas non plus Herzog arriver à une coalition importante. Et je crois que dans 2-3 semaines, ce qu'on a tellement critiqué aujourd'hui, pendant toute cette campagne, c'est-à-dire gouvernement d'union nationale,
je crois que ça va revenir à l'ordre du jour. On ne sait pas les résultats. Je ne connais, personne ne connaît les résultats. Mais de toute façon, cela sera serré. Okay, de toute façon, cela sera serré. Les deux blocs sont faibles. Les deux blocs sont faibles. Il n'y a pas un grand bloc et un petit bloc. Ils sont faibles. Donc l'évidence est, nous dictera. Et je peux déjà voir le président Rivlin dans 3-4 semaines, quand personne n'aura réussi à vraiment former un beau gouvernement, dire « Unissez-vous ». C'est une possibilité, surtout après le geste de Mme Livni hier soir. Cela rend les choses beaucoup plus faciles et je ne serais pas du tout étonné de voir dans un mois ce que aujourd'hui personne ne veut voir. Je rejoins partiellement ce que dit Avi Pazner. La condition pour le gouvernement national, c'est qu'il y ait un écho entre les deux grands partis. Si maintenant il y a un parti qui a 4 ou 5 mandats de plus que le précédent, ce n'est pas sûr. Pour le président Rivlin ayant dit qu'une égalité entre les deux partis engendrerait, d'après lui, une nécessité de faire un gouvernement du national. Il faut voir aussi quels sont les petits partis, parce qu'aujourd'hui on parle de choses dont on ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants, mais il se peut qu'il y ait un ou deux petits partis, ou à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui disparaissent. Parce que de toute façon, même le Likoud a annoncé qu'il ne ferait pas une coalition avec Baruch Marzel. Il est impossible pour le Likoud. Disons que le bloc de droite aurait été un bloc de 61, y compris avec Moshe Karalon, vous ne voyez quand même tout de même pas Binyamin Netanyahu dépendre de Baruch Marzel le matin en se levant avant de faire quelque chose. C'est impossible. Peut-être qu'il se rapproche dangereusement. Mais tout de même, je ne crois pas qu'un bloc, même le bloc de droite, s'il avait 61 avec Baruch Marzel, je ne crois pas qu'il pourrait se baser sur ces quatre députés-là. Donc, le gouvernement de l'Union nationale, c'est possible, à condition qu'il y ait vraiment une égalité entre les deux blocs. Je pense qu'on est presque d'accord. Seulement, je dirais que le résultat, alors qu'on ne les connaît pas, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord qu'ils soient serrés. Ils seront peut-être serrés entre les deux grands partis, le concilioniste et le Likoud, ou pas. On est en train de parler d'un écart. On est en train de parler d'un écart de 4 sièges. On est en train de parler d'élections et de résultats morcelés. Et ça, il faut en parler. On est en train de parler de plusieurs petits partis qui, eux, apparemment, vont pouvoir détenir les grands partis qui voudront former ces gouvernements en les faisant chanter, en leur demandant... Ce qui n'est pas nouveau, hein, ce qui arrive. Ce qui n'est pas nouveau, ce qui n'est pas c'est nouveau. Pour éviter ça, et ceci, on est risque de le voir une fois de plus si on n'arrivera pas à une cohabitation nationale. Vous avez raison, mais c'est justement pour éviter cette situation que Netanyahu et Herzog peuvent décider. Écoutez, moi j'étais... En 84, c'est il y a longtemps, j'étais avec Shamir, conseil de Shamir. Personne ne pensait qu'un gouvernement d'unité nationale serait possible. Eh bien, il a été formé, il a tenu pendant 6 ans. Mais il y avait une vraie égalité. Et puis, il y avait plus de pratiquement 100 députés pour les deux partis en pouvoir. Vous voyez, les grands partis, ils avaient 40, ils avaient 35, ils avaient 44. Voilà, bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui. Vous voyez s'afficher à l'écran le dernier taux de participation relevé à 20h, 65,7%. Ça, c'est très bon. Ça se rapproche de 70. Ça se rapproche, si. Ça, c'est bon, par contre. Voilà, ça, c'est un taux officiel, bon taux. Hein, communiqué bon par Maxime Pérez. C'est bon parce que ça veut dire que c'est pratiquement le taux de la fois passée, à 1% près, deux heures avant. Oui, voilà. Ce qui est très important à savoir, c'est le découpage de ces taux, parce que ce taux-là représente un taux national, et là encore, comme je l'avais tout d'ailleurs dit, qu'il faut comprendre quel est le taux de participation auprès de la minorité arabe qui joue... Et auprès des soldats qui, visiblement, cette fois-ci, ont voté plus qu'à la fois passée. Ça dépend beaucoup de l'atmosphère. Aujourd'hui, comme je le dis, l'atmosphère festive. Le matin, tout le monde est allé à la mer. Les gens sont revenus. L'après-midi et le soir, ils vont aller voter. Et j'espère, moi aussi, pour la démocratie israélienne, pas pour un parti ou pour un autre, qu'on atteindra les 70%. Ce serait très bien. Parmi les... Précision quand même.
au sujet de la participation. Il y a trois publics qui votent traditionnellement énormément, sont les ultra-orthodoxes, les habitants des implantations et la population de gauche, contrairement au mythe que les gens de gauche ne votent pas. Au contraire, c'est ceux, parmi ceux qui votent le plus. La population qui vote très peu, et c'est justement ça qu'il faudra bien vérifier, c'est les populations qui vivent en périphérie, dans le sud, dans le nord, des électeurs traditionnels du Likoud dans le passé, qui ces dernières années n'ont pas beaucoup voté. Et si justement ils se sont remobilisés, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors on verra tout cela, si chacun peut se féliciter de ce taux de participation. On verra cela dans un peu plus d'une heure. On va d'abord s'intéresser à l'un des personnages qui eh bien, se trouve un petit peu dans l'incertitude. Il avait obtenu et il était crédité d'une douzaine de sièges dans les sondages, mais les derniers jours ont peut-être causé du tort à Naftali Bennett et son parti Foyer Juif. Le portrait de celui qui était considéré comme l'un des hommes clés de la droite et qui est peut-être en perte de vitesse aujourd'hui. En tout cas, il y a des interrogations. C'est avec Julia Canancia. Il est très à droite et ne s'en excuse pas. Naftali Bennett, 42 ans, est le leader du parti politique nationaliste et sioniste religieux, le Foyer Juif. Officier dans une unité d'élite de l'armée dans sa jeunesse, Naftali Bennett rencontre ensuite le succès dans les affaires. Il crée une start-up spécialisée dans la lutte contre la fraude sur Internet, qu'il vend en 2005 pour 140 millions de dollars. Après avoir vendu sa société, l'homme d'affaires israélien entre en politique. Naftali Bennett a réussi à dépoussiérer l'image de son parti et va même plus loin. Il drague les laïcs et affiche l'image d'un vrai parti de droite moderne, pas uniquement sectoriel et religieux. L'homme politique est connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Avec lui, les phrases choc sont monnaie courante. On peut apprendre à un singe à parler, mais on ne peut pas apprendre à un arabe à être démocrate. Lorsque vous attrapez des terroristes, vous devez simplement les tuer. La question palestinienne, c'est comme un projectile coincé dans le derrière. On est obligé de vivre avec. Bref, le leader charismatique est contesté pour son franc-parler. En 2012, Naftali Bennett quitte le Likoud pour rejoindre le Foyer Juif. Le 6 novembre de la même année, il est élu à la tête du parti avec 67% des voix. Puis en janvier 2013, il présente une liste aux élections législatives. Parmi les membres de la liste, une candidate laïque. C'est une première dans l'histoire de ce parti qui obtient 12 sièges. Naftali Bennett remporte le poste de ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Emploi, mais aussi celui des Affaires religieuses dans le gouvernement Netanyahou III. Cette fois, Naftali Bennett revient dans la campagne et surprend encore, déguisé en hipster tel-avivien dans son clip de campagne. Objectif, déculpabiliser son électorat. Désormais, Bennett veut faire en sorte que Netanyahou devienne encore Premier ministre pour faire partie du gouvernement et faire passer ses idées. Mais alors, côté programme, que propose le Foyer Juif? Pour eux, la solution au conflit israélo-palestinien passe par l'annexion de 60% de la Cisjordanie et une supervision israélienne du reste des territoires. Et pour lutter contre la vie chère, rien de mieux que le libéralisme. La concurrence est la solution pour faire baisser les factures des Israéliens. Côté société, ils luttent contre l'immigration clandestine et contre le mariage gay. Tout cela ne suffira peut-être pas pour que le parti puisse renouveler son exploit électoral et maintenir les 12 mandats qu'il détenait à la Knesset. Voilà, on est toujours évidemment dans cette soirée spéciale élection. On vous rappelle que c'est dans un peu plus d'une heure et quart maintenant qu'on vous donnera les toutes premières estimations. On est toujours dans ce studio avec Avi Pazner, avec Benjamin Lachkar, avec Laurent Siget et puis également avec Ephraim Zenou qui nous reçoit. Bonsoir, vous êtes directeur de campagne pour le parti Yahad, qui est l'un des partis justement qui pourrait appuyer une coalition Netanyahou, mais qui n'est pas sûr d'obtenir ce fameux seuil hein, qui a été relevé parce que c'est un nouveau parti. Vous êtes confiant là, à moins de d'une heure là, des premières tendances. Nous sommes assez confiants, tous les sondages nous donnent au moins 5 durant ces 3-4 dernières semaines. Ben, de notre côté, comme on dit, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et je me joins à l'appel de Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett, Yoni Shedboun et Eli Ishay d'appeler tous ceux qui n'ont pas encore été votés. Il reste encore un peu moins de 2 heures, allez voter. Et tout peut se jouer dans les dernières heures. En tout cas, la participation est en hausse, de plus de points par rapport à 2013 pour ce qui est du taux relevé à 20h, 65,7%. Alors, on s'intéresse également tout au long de cette soirée à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est Rudy Saada, notre spécialiste maison, qui suit cela derrière son écran. Hein, il est à quelques mètres de nous, mais lui ne quittera pas son écran ce soir. Bonsoir Rudy. Alors, on va revenir d'abord sur cette journée où effectivement, on a noté une très forte activité, notamment des candidats sur les réseaux sociaux. Oui, étant donné que les interventions étaient limitées hein, par la loi, dans les télés, les radios, aujourd'hui, tous les candidats ont été extrêmement actifs sur leur page Facebook et sur leur compte Twitter, donc tout au long de la journée. Alors, il y en a un qui a commencé très, très tôt ce matin, c'est Benjamin Netanyahou, avec un premier poste à 7h du matin, heure justement de l'ouverture des premiers bureaux de vote, un poste dans lequel il martèle qu'il ne
peut pas y avoir un gouvernement de coalition nationale qui ne gouvernera pas avec les travaillistes. Et il invite tous les partisans de droite à se lever et à aller voter. Quelques minutes plus tard, eh bien, il a, comme tous les candidats, été voté. On l'avait vu en direct. Et puis chacun a diffusé sur son compte Facebook la photo du vote. On voit la photo du vote dans son bureau de Jérusalem. Alors il va se montrer très actif sur Internet tout au long de la journée avec des vidéos, des infographies. Et on voit aussi une photo de Benjamin Netanyahou au charbon, au téléphone, en voiture, en train de se rendre dans le sud du pays pour aller essayer de convaincre les derniers indécis. Alors il ne parle plus de victoire dans ce poste-là, où on le voit dans sa voiture, mais il parle de réduire simplement l'écart. L'écart avec qui? Avec Bougie Herzog, qui a été plus discret sur sa page Facebook. Il a plutôt laissé la place aux militants de l'Union sioniste, qu'on a beaucoup vu. Cela dit, il y a une photo donc traditionnelle, je vous en parlais, cette fameuse photo du vote accompagnée d'un message: cette élection est une chance. Et il y en a d'autres pour qui cette élection est aussi un danger. C'est le cas par exemple du parti très à gauche, le Meretz, qui pourrait disparaître s'il n'obtenait pas donc ses 4 sièges. Et bien Zava Galon, dans un poste, a appelé à la survie de son parti. Autre candidat très actif, vous en parliez il y a un instant sur le net, c'est Naftali Bennett. Alors on a l'impression vraiment qu'il a lui-même pris le contrôle de sa page Facebook et que ce ne sont plus les gens, les communicants qui travaillent pour lui. On le voit donc voter avec sa femme et en compagnie de la famille de l'ancien ministre décédé, disparu, Uri Orbach. Et preuve qu'on n'est plus du tout dans le calcul, cette vidéo que je voulais vous montrer, c'est une vidéo qui a été prise dans la voiture juste après le vote, avec son smartphone. Ça n'a pas l'air calculé du tout et il s'adresse au public anglophone. Regardez. For my English brothers and sisters, this is our big day, the day of the people who love Eretz Israel and Torah Israel and the soldiers of Tzahal. This is our day to make a difference. Go out and get 20 or 30 people to vote Bayit Yehudi Tetbet, so we make a difference and we'll take care of Eretz Israel. I love you. Voilà, tous les moyens sont bons pour la mise en scène. Là, c'est vraiment du gros plan. Merci à Rudy Saada. On vous retrouve évidemment tout au long de cette soirée pour faire un point sur l'évolution évidemment de cette campagne et des premiers résultats attendus donc sur les réseaux sociaux. Alors, on a beaucoup parlé de Netanyahou. Il faudrait qu'on dise un mot aussi d'Herzog, qui est l'autre possible premier ministrable dans ces élections. Quelle campagne vous jugez qu'il a réalisée? Je vais vous donner la parole à vous, d'abord à Avi Pazner, puis après ceux qui sont plus engagés politiquement. Eh bien, une bonne campagne, low-key, c'est-à-dire sans trop montrant de la responsabilité. Il y a un problème Herzog, qui n'est pas nouveau, qui manque de charisme. C'est pas un grand général, c'est pas Netanyahou avec sa voix basse, mais il est considéré comme un homme sérieux. Il était un très bon ministre quand il était ministre, c'est-à-dire c'est un candidat crédible, ok. Je dirais pas que c'est un candidat qui a excité les foules israéliennes, c'est pas ça. On n'est pas en 99 où Barak a battu Netanyahou dans une confrontation directe. Mais quand même, je crois qu'il s'est bien débrouillé. Et puis, je crois que ce qui s'est passé hier avec Tzipi Livni, qui a dit renoncer à la rotation, ça va, je crois, l'aider aujourd'hui dans les urnes. Ça devrait l'aider, je ne sais pas. Ça devrait l'aider, je ne sais pas dans quelle proportion, mais ça, c'est un changement important. Sujet. Je vais quand même faire un petit peu l'historique de ce qui s'est passé depuis un an avec Yitzhak Herzog. Quand Yitzhak Herzog a fait face à Shelly Yachimovitch, tout le monde a dit qu'il n'a aucun charisme, il va se prendre une banane en face de Shelly Yachimovitch, il a gagné. Après, il a repris la direction du Parti Travailliste, on a dit mais il n'a pas de charisme, il ne va pas savoir mener une union avec d'autres partis. Il a fait l'union avec Livni, ça a donné encore un push au Parti Travailliste. Puis ils ont pris l'homme publicitaire qui est le plus grand génie en Israël, qui est Reuven Adler, qui a réussi à faire une campagne exactement comme il fallait. Et lorsqu'il a commencé la campagne, lorsqu'on demandait qui était premier ministrable, Netanyahou se trouvait à 48-43%, et Herzog a commencé à 12%.
Aujourd'hui, lorsqu'on fait les derniers sondages, Herzog, Netanyahu est toujours à 43, ce qui est sa base probablement électorale, et Herzog se trouve entre 36 et 38. Donc on a réussi, en peu de temps, à fermer quand même la différence qu'il y avait entre Netanyahu du point de vue de la crédibilité. Il n'est pas charismatique, mais nous avons eu beaucoup de gens très charismatiques. On a eu Barak qui était très charismatique, qui a tenu un an et demi. On a eu Sharon qui était très charismatique, et ça n'a pas été non plus extraordinaire. On a eu Netanyahu qui est extrêmement charismatique et dont tout le monde en a marre. Donc je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'avoir un candidat un peu plus solide, un peu moins charismatique, mais qui vient pour vraiment apporter des solutions à la vie quotidienne des gens. Benjamin Ashkar, sur Herzog. Candidat charismatique, c'est sûr que non. Est-ce qu'il est compétent? J'en ai pas vraiment l'impression. C'est un avocat impliqué, on se rappelle, dans l'affaire des Amoutotes de Barak, où il avait refusé de parler devant la police. Je pense pas que quelqu'un qui va être Premier ministre puisse avoir une telle conduite. Est-ce qu'il a fait une bonne campagne? J'en ai pas vraiment l'impression. Ils ont commencé à 23-24, ils finissent dans les derniers sondages à 23-24. J'ai plutôt l'impression que c'est Yair Lapid qui a fait une bonne campagne, Moshe Kahlon a fait une bonne campagne. Voilà, au centre, une bonne campagne. J'ai pas l'impression que le camp sioniste a fait juste une campagne tout sauf Bibi, tout sauf Bibi, tout sauf Bibi, avec des propositions plus ou moins délirantes aussi au niveau économique, sur lesquelles d'ailleurs ils n'ont pas vraiment insisté, ils ont mis ça sur le côté parce que c'était pas vraiment très très intelligent, vu que personne ne les prenait au sérieux. Et puis l'affaire maintenant avec Tzipi Livni. Tzipi Livni, c'est un poids en fait pour le parti plus qu'autre chose. C'est une des personnalités les plus haïes d'Israël, une des plus méprisées d'Israël, et c'est pas pour rien parce qu'elle change de parti comme elle change de chemise, elle a aucune opinion, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas. Pour le pouvoir, elle ne serait pas à faire n'importe quoi. Je ne pense pas que le fait qu'elle abandonne la rotation ait la moindre importance, je ne pense pas que ça ait joué du tout. Bon, Frem, dis-nous un mot. Je dirais aussi qu'il a dû certainement se trouver au bon moment, au bon endroit. Et ceux qui font une très très bonne campagne, c'est surtout V15. Il y a une telle agressivité dans la campagne, un déferlement de films sur YouTube et les réseaux sociaux, et dont le seul message est de remplacer le pouvoir en place, de s'attaquer à Benjamin Netanyahou. Et on peut dire que Herzog bénéficie de cette campagne-là et se contente de récolter les fruits. Et sa campagne aussi ne fait que réagir à la campagne de Benjamin Netanyahou. Quand Benjamin Netanyahou s'adresse à un public de droite et essaye de récupérer les mandats chez Naftali Bennett en annonçant haut et fort, d'ailleurs on l'a vu dans votre reportage dès son Facebook de ce matin, je n'irai pas à un gouvernement d'union nationale, il s'adresse à un public de droite. Et Herzog de son côté, qui laisse toutes les cartes sont sur la table, toutes les possibilités sont là. Celui qui va décider est-ce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, aujourd'hui c'est Benjamin Netanyahou. Et on a l'impression que dès maintenant, il a déjà décidé. Parce que dans sa façon de s'adresser au public et à l'électorat de Naftali Bennett, à l'électorat de droite, il fait en sorte que le bloc de droite s'affaiblisse. Et la seule alternative qu'il aura sera alors de s'associer avec Herzog. Vous savez qu'il faut faire la séparation entre ce que disent les hommes politiques, tous, pas seulement Netanyahou, tous les hommes politiques avant et après les élections. Ce sont deux combats complètement différents, ok? Et moi, je crois m'y connaître un peu en politique israélienne. Et face à une fragmentation comme on en a maintenant, et vous m'excuserez, je n'ai absolument rien contre votre parti, ok? Mais les petits partis, ok? Ce sont eux. Est-ce que ce sont eux qui vont pouvoir dicter qui va être Premier ministre ou non? Et quelle va être sa politique? Ne serait-il pas mieux vraiment d'unir de grandes forces de notre pays ensemble pour travailler ensemble, ok? Donc, moi, je connais les déclarations de Netanyahu, je connais les déclarations d'Herzog. Demain, la situation va être différente, quel que soit le résultat ce soir. Bon, alors on va en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on aille à Nazareth, parce qu'on a vu qu'effectivement il y avait aujourd'hui en tout cas des annonces concernant la mobilisation ou pas de la communauté arabe israélienne. C'est là-bas que se trouve justement le quartier général de la liste arabe commune. Bonsoir Léa Berdugo. D'abord, un mot, est-ce que vous avez des informations sur la manière avec laquelle s'est mobilisée justement la communauté arabe israélienne aujourd'hui ?
Oui, alors moi, les informations que je peux vous donner concernent la participation. Les derniers chiffres dont nous disposons nous ont été donnés par un porte-parole de la liste arabe unifiée. Et selon lui, à 19h, 46,5% des Arabes israéliens auraient été votés. Des chiffres qui vont être actualisés. On va en avoir des nouveaux dans les prochaines minutes qui arrivent. À titre de comparaison, même si ce chiffre avait été donné à la fin du scrutin, c'est-à-dire à 22h, lors des dernières élections, 56% des Arabes israéliens s'étaient déplacés pour aller voter. Donc nous ne pouvons pas encore faire de prospection. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le vote israélien compte et pourrait peser, puisqu'effectivement, les Arabes représentent 20% de la population israélienne. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Nazareth, qu'on va retrouver hein, tout au long de cette soirée. Et évidemment, dès qu'on aura les premières tendances. Donc il ne semble pas de nouveau y avoir eu une mobilisation, parce qu'on a fait courir ce bruit aujourd'hui, peut-être à droite, c'est le cas. C'est un spin. C'est ce qui se passe pratiquement à toutes les élections. Dès qu'on s'approche de la deadline, on essaye d'affoler un petit peu les foules, on oublie les slogans, allez voter, chacun se tourne vers son électorat pour essayer d'obtenir les dernières voix. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Pazner juste avant. Il est vrai que dans un monde parfait et dans un système électoral que nous souhaitons, où on aurait Bémet, en effet, de grands partis, de grands camps, nous sommes d'accord que les petits partis n'auraient pas leur place. Aujourd'hui, le système électoral ne permet pas cette configuration. Les petits partis ont malheureusement toujours donner le change en Israël. Je prends pour exemple Tzipi Livni, encore une fois, qui lors des dernières élections a obtenu seulement 6 mandats, et avec ces 6 mandats, le ministère de la Justice, le poste de négociatrice auprès de l'autorité palestinienne, et qui tenait à proprement dit Netanyahou dans sa main. Nous avons décidé de donner le change et d'apporter aussi le ton de la droite religieuse, qui est un petit peu perdue par un Naftali Bennett qui essaye de se recentrer un petit peu et qui s'identifie de plus en plus avec le Likoud. Il a déjà annoncé d'ailleurs qu'il était prêt à former un bloc technique une minute après la fermeture des scrutins. Et donc je pense que justement le parti que je représente, le parti Yahad, a aujourd'hui sa place sur l'échiquier politique israélien. Je n'exclus pas l'éventualité que si Dieu veut, lors de la prochaine Knesset, si en effet Benjamin Netanyahou et le prochain gouvernement arrivent à réformer le système électoral israélien, on puisse penser à une autre structure, une autre configuration. Pour l'instant, la situation étant telle qu'elle est, Yahad est primordial en Israël. Trois petites remarques à ce que vient de dire mon ami ici. Premièrement, V15, qui est une organisation qui pousse à voter, effectivement, est la réponse probablement du centre et de la gauche, parce que V15 ne pousse pas à voter que pour l'Union sioniste. V15 pousse à voter pour tous les gens qui ne veulent pas voter pour Netanyahou. Ça, c'est la première remarque. C'est la réponse du centre et de la gauche au journal qui s'appelle Israël Hayom, et qui est un journal de propagande qui existe depuis 5 ans au profit de la droite. Première chose. Deuxièmement, si vraiment les chiffres se confirment que le taux de participation arabe est inférieur à ce qu'il était et que le taux de participation nationale est supérieur, il faudra voir, ça veut dire que beaucoup plus de juifs ont été votés, il faudra voir dans quelle ville ces gens ont été votés. Et troisièmement, encore une fois, il faudra faire une réforme. En Israël, nous n'aurons jamais, plus jamais malheureusement, 2 partis. Nous sommes un pays de tribus. Nous pouvons avoir un grand parti de gauche, un grand parti de droite. Il faudra probablement avoir un jour un grand parti religieux et puis il y aura un bloc arabe. Je veux dire, nous sommes au minimum obligés d'avoir 4 partis. Ça c'est le minimum que nous pouvons espérer en étant plus ou moins homogènes. Nous sommes des tribus. Nous ne sommes pas un pays homogène du style... nous ne sommes pas le Danemark, nous ne sommes pas la Finlande. Bon, j'aimerais rebondir, excusez-moi. Juste quelques remarques. Allez-y. Il y a 3 minutes, vous allez parler tous les deux. Pour ce qui est de V15, c'est ridicule. Pas critiquer Israël Hayom, qui est le seul journal de droite, plus ou moins, quand on a tous les autres journaux. On a Yediot, qui est devenu le Bougiton. C'est même plus la Pravda. On est au-delà de la Pravda avec Yediot. On a Haaretz, on a Arutz 2, la deuxième chaîne, la dixième chaîne. On a la radio, Rachel Bell, on a Galitza. Il faut arrêter avec vos complexes d'infériorité. Tous les médias sont de gauche. Arrêtez avec vos complexes
sécurité. Tous les médias étant de gauche, il y en a un seul de droite et ça vous gêne. Et en plus, vous essayez de le faire fermer. Regardez les démocrates. Il y a un seul journal de droite et ils essayent de le faire fermer par une loi. Regardez face à qui on a affaire. C'est l'inverse de tout ce qu'ils racontent. C'est des gens antidémocratiques qui vont contrôler le pays. Ça fait 20 ans que vous dites que les moyens de communication sont à gauche. Ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes au pouvoir jusqu'en 2009. Vous n'avez pas été au pouvoir de 92 à 96. Kadima, ce n'est pas la gauche. Kadima, ce n'est pas la gauche. C'est la gauche et même l'extrême gauche sur ses propositions face aux Palestiniens. Et je vous rappelle, vous parlez en plus toujours du fait que Tipi est venu à changer de parti, mais vous avez chez vous quelqu'un comme Tsahi Hanegbi qui est passé du Likoud à Kadima, du Kadima au Likoud, et vous n'en dites pas un mot. Alors, il a fait trois fois le même parti. J'aimerais quand même dire un mot sur notre système électoral, d'accord. Je crois qu'il faut faire un changement et je crois qu'il faut aller au-delà des 3,25%. Je crois qu'il faut faire comme l'Allemagne, arriver à 5%, peut-être même 6%, et arriver à 4 ou 5 partis, c'est-à-dire un parti de droite, un parti de gauche, un parti religieux, un parti arabe et un parti du centre. Avec 5 partis en Israël, je crois que tout le monde sera dans une meilleure position. Tout à fait. Maintenant, un redécoupage de la circonscription, c'est un redécoupage, une élection différente qu'aujourd'hui. Permettre aux gens aussi d'avoir un député. C'est clair que notre. C'est qui clair. Est une adresse, un système moitié français. C'est clair que notre système ne marche pas bien. Parce que ça va être difficile à faire adopter vu le nombre de partis qui s'apprêtent à rentrer à la Knesset. Merci en tout cas, Avi Pazner. Merci Benjamin Nashkar. Merci Laurent Siget. Merci Ephraim Zenou. Dans moins d'une heure, les premières tendances, évidemment, dans un peu plus d'une heure, allez, on va dire, un peu plus d'une heure, à peine une heure, les premières tendances, donc les premiers sondages, le premier sondage sorti des urnes, à tout de suite. הבחירות הללו הן בין שינוי ותקווה לבין ייאוש ואכזבה. כמה שיהיה לנו יותר מנדטים, יהיה לנו יותר כלים לעשות רפורמות ושינויים לטובת אזרחי מדינת ישראל. I just said the obvious for me, that this would not be an obstacle to form another government and to change Netanyahu's government. On se retrouve donc pour cette soirée spéciale élection. Vous n'oubliez pas également le hashtag sur Twitter pour commenter, réagir sur tout ce que vous allez entendre durant cette soirée. Les premiers résultats dans moins d'une heure maintenant, première tendance sortie des urnes. Ce hashtag, c'est I24 Elections, I24 Elections si vous préférez en français, ça s'écrit de la même façon. Et puis donc, vous pourrez poster vos commentaires. On retrouvera Rudy Saada d'ailleurs tout au long de cette soirée, notre spécialiste réseaux sociaux qui nous donnera tous les commentaires, les tendances et puis les réactions également de ceux qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire les candidats dans cette campagne. On accueille de nouveaux invités dans ce studio. Je salue tout d'abord Nadia Elis, bonsoir. Bonsoir Jean-Jean. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv et vous avez également créé ce groupe Kol Olé qui cherche à inciter justement les nouveaux immigrants à voter. Hein, c'est comme ça qu'on peut le résumer. À côté de vous, Cathy Roltman, bonsoir. Vous faites partie de Yesh Atid, dont la tête de liste est Yair Lapid, l'ancien ministre des Finances, qui avait été la surprise lors du dernier scrutin. On verra s'il en est de même tout à l'heure. De ce côté-ci, je trouve à présent Jérémy Halimi, bonsoir. Pour le parti Foyer Juif, Baïta Yehoudi de Naftali Bennett. Et Raphaël Amzalak, bonsoir. Pour le Likoud. Alors, on retrouvera également tous nos envoyés spéciaux durant cette nouvelle heure de débat qui va nous emmener donc jusqu'aux premières estimations et premières tendances sorties des urnes. Et on va aller déjà, d'ailleurs, à Jérusalem, retrouver Maxime Pérez qui est à la Knesset, là où se trouve donc le comité central de ces élections, pour avoir eh bien, le dernier chiffre que vous nous communiquiez de cette participation qui est en hausse, Maxime. Oui, un chiffre réévalué à 65,7%. Il y a de cela une trentaine de minutes, en hausse de 2 points par rapport aux dernières élections
de 2013 et ses estimations sur le taux de participation qui devrait continuer à progresser parce qu'on nous indique que les Israéliens continuent de se rendre massivement aux urnes. Ils ont la possibilité de voter dans certaines localités jusqu'à 22h. Et il y a quelques instants, une source au sein de cette commission électorale de la Knesset nous a confié que le seuil des 70%, qui n'a pas été atteint depuis plus d'une dizaine d'années en Israël, pourrait être dépassé et même atteindre, avoisiner en tout cas les 72-73%. Un taux donc de participation qui pourrait être très respectable et beaucoup évidemment de rumeurs ici sur le taux de participation qui serait assez élevé dans les villes traditionnellement de gauche, un peu moins élevé dans les villes qui votent traditionnellement à droite et également assez élevé dans le secteur arabe-israélien en Galilée. Merci Maxime Pérez pour ces indications importantes. Alors évidemment, c'est trop tôt pour en tirer des conséquences. Mais quand même, quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'à votre avis, ça préfigure de quelque chose quand la participation est en hausse? Qui commence, Raphaël Delagle? Ça préfigure d'abord une bonne nouvelle pour les grands partis. Parce que les partis qui sont plutôt aux extrêmes sont toujours mieux représentés lorsqu'il y a un taux de participation qui est bas. Et ça représente d'abord une bonne nouvelle pour la démocratie. Parce que les scrutins, l'urne est encore ouverte. Et il faut encourager d'ici tous les Israéliens, les Israéliennes, les Olim Hadashim aussi, à aller voter. C'est quelque chose de très, très important. On a l'occasion, dans notre démocratie, une fois tous les 2 ans en moyenne, on espère que ce sera plus, d'exprimer notre position. Il faut le faire, c'est important. Alors, Cathy Holtman. Pour moi, ce taux haut, pour moi, il me semble faible. Je suis nouvelle immigrante de Belgique. En Belgique, le vote est obligatoire. Alors, j'ai l'habitude de taux vraiment élevés. Mais je crois que ça veut dire quand même que les gens ont envie de se dire « je ne vais plus laisser les autres décider pour moi » et qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas, en tout cas, d'usure, parce que c'est vrai que quand on vote très souvent, au bout d'un moment, on peut se dire « pourquoi y retourner encore ?» puisque de toute façon, il y en aura une autre dans un an ou deux. Nadia Elis, tout est relatif. En Italie, d'où je viens, comme vous savez, le taux, il est de 37%, figurez-vous. Donc imaginez ce que c'est quand ce n'est pas obligatoire. Ce qui est choquant par rapport à un 67% ou 65% ici en Israël. Je crois que ceux qui en ont marre, on avait déjà marre il y a 2 ans, ils en auront marre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin il faut espérer. Les autres, ce sont à peu près les mêmes. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un changement par rapport aux gens qui vont voter. Il y a toujours les mêmes qui ne votent pas et ceux qui votent. Mais même si cette fois-ci, apparemment, les Arabes israéliens sont sortis voter plus nombreux, le Premier ministre a eu vraiment la bonne idée de faire une sortie absolument honteuse sur son Twitter ou son Facebook, je ne sais plus lequel, en tout cas en disant « les Arabes vont voter, sortez voter », parce que les Arabes, évidemment, ne sont pas des citoyens, ou en tout cas, c'est vraiment une nouvelle à annoncer, hein. Il y a des citoyens israéliens qui vont voter. C'est à cause de leur agenda politique, hein, bien évidemment, cause de leur volonté de se réunir, communistes, arabes, athées, avec l'extrême, les islamistes, donc du Tchèque Raïd Salah, et de Khanin Zouabi, ils peuvent s'unir lorsqu'il s'agit effectivement d'être l'entité anti-sioniste au sein de la Knesset. Et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou a appelé aux sionistes d'aller voter en masse pour pouvoir contrebalancer, parce qu'il ne s'agit pas de laisser à cette voix qui a été extrêmement décriée, notamment avec une comparaison entre le mouvement sioniste et Daesh pendant la campagne, de cette même liste arabe unie. Donc effectivement, Benjamin Netanyahou, à la tête de l'État sioniste, se devait de rappeler les sionistes aux urnes. Voilà. Vous allez pouvoir revenir là-dessus. Hein. Quand j'ai eu un coup de fil récemment avec un ami du parti, il m'a dit « Alors, c'est une forte mobilisation, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon pour nous ou c'est mauvais pour nous ?» Je dirais que c'est très difficile à savoir, parce qu'il y a une forte mobilisation. On dit qu'en général, c'est pas bon pour les sortants, c'est-à-dire pour la majorité sortante. Quand il y a une forte mobilisation et une élection, ça veut peut-être dire qu'il y a du changement dans l'air. Alors, ça veut dire qu'effectivement qu'il y a du changement dans l'air. D'un autre côté, on a vu aussi une forte mobilisation face à la gauche. Les derniers sondages ont donné effectivement le Machane Tzioni avec 3, 4, voire 5 mandats de plus que le Likoud. Ça a créé un problème en termes de bloc, le bloc de droite, le bloc de gauche. Donc on a pu sentir aussi sur le terrain une forte mobilisation qui est arrivée à droite. Donc en fait, ce qu'on a, c'est quoi? C'est une mobilisation de base qui existe à gauche, une mobilisation de réaction qui existe à droite, et puis une mobilisation au sein des partis arabes. Je rejoins évidemment ce que dit Raphaël là-dessus, mais on ne peut pas ignorer le fait qu'ils se sont cette fois bien mobilisés sur une seule liste. Ouais. Moi, je voulais poser une question en fait, sur le taux de participation. Si on dit que les Arabes israéliens se sont mobilisés plus que d'habitude, ça voudrait dire que les
juifs israéliens ont voté moins finalement, mm-hmm. même si le taux au final est plus Sauf élevé. Sauf si on atteint 73, parce que la dernière fois on était un peu en deçà de 70, donc si vraiment on a, il me semble, 3-4 points de plus, chaque point c'est des dizaines de milliers d'électeurs. Donc je pense qu'il va falloir pour cela attendre 10 heures. Vraiment. C'est franchement désolant d'entendre comme ça parler de les Arabes, les Juifs. S'il y avait un seul Premier ministre, voire ministre, voire n'importe qui en Europe qui osait même dire publiquement « et les gens allaient voter parce que les Juifs sont sortis en masse voter », ce serait le scandale du scandale. Comment s'appelle cette liste? C'est vraiment liste unifiée. Elle ne s'appelle pas liste arabe. Elle s'appelle liste unifiée arabe. Non. Si, c'est son nom. Non, pas bah, regardez, sur les Ptakim aujourd'hui, quand on est parti voter, c'était exactement ce qui avait marqué. Aujourd'hui, les Arabes d'Israël se mobilisent. Et comme l'a dit Raphaël ici, on a des éléments communistes, des éléments athées qui vont serrer la main à des éléments anti-sionistes et des éléments totalement qui sont pro, à la limite, pro-terroristes. Il fallait y penser avant de faire une démocratie en Israël. C'est trop tard. On a fait la démocratie, ce sont des citoyens. C'est des citoyens, simplement, nous on les reconnaît comme une liste qu'il faut combattre, et c'est pour ça qu'on parle de la sorte. C'est contrairement à l'Europe, nous sommes un État juif et démocratique. Juif et démocratique, bien évidemment, toute l'attention est entre ces deux notions, mais nous sommes un État juif, et afin de préserver le caractère juif de l'État, nous avons besoin, notamment au niveau constitutionnel, et c'est un travail qui se fait et qui va devoir continuer à se faire, de préserver le caractère juif de l'État, contrairement aux États d'Europe auxquels vous vouliez nous comparer, qui ont délaissé. La France a cessé d'être la fille aînée de l'Église depuis bien des années, voire bien des siècles. Et en Israël, ce n'est pas le cas. Dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, on parle d'État juif. D'accord. Et c'est ce qu'on est. Et donc, il faut savoir préserver l'État juif des personnes qui désirent sa perte identitaire. Et beaucoup, chez les Arabes israéliens, désirent retirer le caractère juif de l'État au profit du caractère démocratique, parce que c'est le caractère qui leur permettrait d'arriver à leur fin, à savoir la fin du sionisme. Donc, vous suggérez, voilà, en fait, de baisser le caractère démocratique pour garder le caractère juif. Je dis qu'il y a un conflit. Il fallait y réfléchir avant. Je suis désolé, nous sommes dans une démocratie. Tension qui est une tension existante et qui est au cœur du débat politique israélien. Alors, j'ai cette idée quand même que si on résolvait le problème palestinien, il y aurait moins de tensions, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a une tension entre juifs israéliens et arabes israéliens. Ça existe, c'est là, c'est comme ça. Je pense que si le conflit se résout et qu'il n'y aura plus ce besoin des arabes israéliens d'être solidaires du peuple palestinien, parce que le peuple palestinien aura son État, comme le désire Yesh Atid, qui désire une séparation avec les Palestiniens, je pense qu'on pourra diminuer les tensions et qu'on pourra être, comme vous le pensez, tous des citoyens israéliens, où on ne fera pas la distinction. Pragmatiquement, vous avez un califat islamique à Gaza et vous avez le Raïs, donc Abou Mazen, qui dirige en Judée-Samarie l'autonomie palestinienne. Il n'y a pas de contact entre... il n'y a pas de possibilité d'union. C'est-à-dire que quand bien même nous arriverions à un accord hypothétique avec Abou Mazen, c'est un accord qui n'engagerait pas le Hamas. Donc on est dans une situation que nous n'avons pas créée, parce que nous avons permis les élections démocratiques palestiniennes de 2006 qui ont poussé le Hamas au pouvoir. J'étais soldat à l'époque. On a effectivement fait la sécurité de façon à ce que les élections puissent réellement être démocratiques. Mais c'était les dernières. Ça a été les dernières. Donc on fait face à une réalité où on peut parler, en théorie, de la solution des deux États pour deux peuples, ou d'une solution alternative qui est mise en avant dans le camp national par Naftali Bennett. Mais en tout cas, techniquement sur le terrain, le conflit du mois d'août nous prouve que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Et il faut aussi savoir regarder la réalité en face. Un mot peut-être pour revenir sur cette liste, juste pour bien comprendre, pour réagir, mm-hmm. pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Numéro 2 de la liste, c'est ce qui m'a le plus choqué, je crois, pendant cette campagne électorale. Numéro 2 de la liste unifiée arabe a dit, avec ses mots, il l'a revendiqué. Il a dit que lancer des cocktails Molotov sur des juifs, c'était légitime. Le combat palestinien est légitime quand on lance des cocktails Molotov sur les juifs. Alors je ne sais pas si tout le monde sait, parmi nos spectateurs, ce qu'est un cocktail Molotov. Malheureusement, on a eu un exemple récemment d'une petite fille de 7 ans, Ayala, qui a été brûlée par un cocktail Molotov. Elle est passée comme ça. À côté de la mort, et aujourd'hui elle s'en remet, ça va prendre des années. Voilà, c'est ça la liste unifiée arabe. Alors, la liste unifiée arabe. Tout le monde pareil, tous pareils, tous comme le numéro 2. Mais nous sommes dans la propagande vraiment très très basse. Il fallait encore une fois y réfléchir avant. C'est fini les élections. Non, mais je vais terminer quand même la phrase. Encore une fois, il fallait y réfléchir en 48. On a fait une démocratie. À moins que vous vouliez évidemment ne pas être une démocratie, ce qui est tout à fait possible vu le parti auquel vous appartenez. Mais ceci dit, tant qu'on est une démocratie, ces gens-là, que vous les aimiez ou pas, ce sont des citoyens israéliens. Le 14 mai 48, on a quand même tendu la main aux populations arabes. C'est dans la déclaration
déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et quelques heures après, il y a 7 États arabes qui nous ont déclaré la guerre, notamment avec les États limitrophes à Israël, qui ont rappelé les populations arabes palestiniennes à venir se joindre à la Légion jordanienne, à venir se joindre aux armées égyptiennes pour mener le combat et jeter les Juifs à la mer. C'est-à-dire que d'essayer de réécrire l'histoire en disant qu'on a fait un choix dans une atmosphère qui serait une atmosphère, j'allais dire, suisse, pour ensuite retourner cela contre nous, c'est peut-être un petit peu une lecture peut-être un peu simple de l'histoire. Alors, on va continuer de débattre, évidemment, encore, mais on va aller tout de suite au quartier général de l'Union sioniste à Tel Aviv, parce qu'on est à une demi-heure maintenant des premières tendances sorties des urnes, qui s'annoncent d'ailleurs très serrées, c'est ce qu'on peut vous dire à la lecture des premières informations qui nous parviennent. Julien Balloul est sur place, bonsoir. Julien, quelle est l'atmosphère déjà? Est-ce que ça donne une indication peut-être de ce à quoi on s'attend ce soir? Oui, absolument, Jean-Charles, bonsoir. C'est vraiment l'endroit où il faut être ce soir. C'est très tendu. On s'échange tous des SMS, des informations, des sondages contradictoires sur telle partie qui ne passerait pas le seuil d'éligibilité, telle partie qui, oui, le passerait. Derrière moi, des militants se sont rassemblés et ont commencé à chanter des cris de joie. Vous savez qu'en France, en général, avant 20h, il suffit de regarder la tête des militants pour comprendre si le parti a gagné ou non. Si on devait s'en tenir à cela, l'Union sioniste a gagné. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ici en Israël, on le sait parce qu'il y a les jeux de coalition. Il y a différents sondages qui sont entre mes mains. On ne peut pas encore dire les résultats. Ce qui est sûr, ce qu'on peut dire en revanche, c'est que l'écart qui a été prédit par les instituts de sondage ces derniers jours, à savoir un écart très favorable à l'Union sioniste, cet écart est beaucoup moins important, voire inexistant. L'autre information importante, c'est qui nous vient du parti de Naftali Bennett, le parti de droite religieuse, ce serait la panique à bord. Et c'est les mots qui ont été utilisés par plusieurs de nos sources. C'est une mauvaise nouvelle pour la gauche ici où je me trouve. Pourquoi? Parce que si c'est la panique à bord chez Bennett, ça veut dire que les voix sont parties au Likoud. Donc ils ont fait augmenter le parti de Netanyahou. Donc faire perdre l'avance à l'Union sioniste où je me trouve. Donc c'est des informations que tout le monde scrute. Peut-être une meilleure nouvelle pour l'Union sioniste où je me trouve. Il se pourrait que le petit parti d'Eli Ishai, le parti Yachad, qui vous le savez était vraiment sur le seuil d'éligibilité, selon certaines sources, il ne passerait pas. Selon d'autres, il passerait. Et la gauche regarde ça de très près, parce que si Eli Ishai ne passe pas, c'est 4 voix en moins, 4 sièges en moins pour Benjamin Netanyahu, et donc plus de chances pour l'Union sioniste de former un gouvernement. C'est très tendu. Tout le monde attend vraiment les résultats. Les militants, en tout cas, commencent à affluer. Il reste 34 minutes à attendre avant des premiers résultats, même si on sait que si il n'y a qu'un siège d'écart, alors ça pourra encore changer. Ça veut dire que la nuit va être très longue, Jean-Charles. Merci Julien Balloul, on revient vous voir évidemment tout à l'heure, hein, dès que les premières estimations seront connues. On fait un détour aussi par le Likoud, quartier général du Likoud, où se trouve toujours à Tel Aviv Cyril Amar. On était avec lui tout à l'heure. Atmosphère, Cyril Amar, puisqu'on annonce, semble-t-il, des résultats très, très serrés, est-ce que vous avez aussi cette confirmation? Est-ce qu'on s'attend à une soirée extrêmement tendue? La nuit risque d'être très, très, très longue, Jean-Charles, hein, puisque la rumeur se fait de plus en plus persistante. Hein, les informations selon lesquelles les échantillons de la première, de la deuxième, pardon, et de la dixième chaîne de télévision israélienne, eh bien, selon leur sondage de sortie des urnes, les deux partis, le Likoud et la liste de centre-gauche de l'Union sioniste, seraient vraiment au coude à coude pour le résultat donc, de ce scrutin. Le parterre ici des militants commence à se remplir petit à petit. Les députés, les candidats, la députation plutôt ne sont toujours pas arrivés, mais les quelques militants avec qui j'ai pu m'entretenir, eh bien, affichaient plutôt une humeur confiante. Visiblement, le virage à droite opéré par Benjamin Netanyahou ces derniers jours semble avoir fonctionné. La droite a décidé de voter utile, des informations à prendre évidemment au conditionnel, mais il semblerait que ceux qui ont été séduits par un vote pour le foyer juif de Naftali Bennett, par la manière forte, le discours de la manière forte du chef de file du foyer juif, eh bien, et finalement décidé eh bien, de voter pour le Likoud et de ne pas donner un bulletin idéologique, mais plutôt voter utile pour réduire l'écart face à Yitzhak Herzog. La mauvaise nouvelle, Jean-Charles, elle pourrait venir en revanche du parti Yachad, le parti de la droite ultra-orthodoxe, hein, emmené par Eli Ishai, celui qui a fait scission avec le parti Chass, le parti ultra-orthodoxe séfarade, puisque sur sa page Facebook, Eli Ishai a appelé à une mobilisation massive pour, dit-il, eh bien, dépasser le seuil d'éligibilité qu'il aurait du mal à franchir ces dernières heures. Donc une affaire à suivre, parce que pour le jeu des alliances, évidemment, ce serait une mauvaise nouvelle pour Benjamin Netanyahou si toutefois le parti Yachad devait être le grand absent de la prochaine Knesset.
Merci Cyril Amar. On vous retrouve tout à l'heure aussi parce qu'on aura dès 22h évidemment envie de voir l'atmosphère dans ces deux quartiers généraux, à la fois l'Union sioniste et le Likoud. Alors, premier commentaire, c'est vrai que le parti Foyer Juif, Jérémy Halimi, dont vous faites partie, Baïta Yehoudi, semblait menacé depuis quelques jours parce qu'on a dit Netanyahou tente de ramener à lui toutes les voix de la droite. Est-ce que vous craignez ce soir justement d'en faire les frais ? Oui, clairement, on le craint ce soir. Et je pense que si ce qui se profile effectivement va être confirmé, la grande question va être, est-ce que Benjamin Netanyahu va tenir sa promesse ? Mmh. Aujourd'hui, on a entendu Benjamin Netanyahu dire que la deuxième personne qu'il allait appeler pour former une coalition était Naftali Bennett, quand la première était Myriam Peretz, donc rien à voir avec un mouvement politique, premièrement. Et deuxièmement, pendant toute la campagne, il y avait une volonté bien claire de la part de Benjamin Netanyahu de dire qu'il allait former un gouvernement de droite, ce qu'on veut, donc, effectivement. Et maintenant, la question, en fait, retourne dans le terrain de Benjamin Netanyahu, en espérant, effectivement, et c'est le deuxième point qui est important, comme ça l'a été suggéré, tous les petits partis, donc le parti de Ishai, et puis d'une manière plus générale, tous les petits partis, c'est-à-dire donc Meretz, et aussi Lieberman. S'il y en a un des trois qui devait ne pas passer le seuil d'éligibilité, eh ben ça changerait tout à l'image finale et à la formation de la coalition. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? On s'attend à un score serré, ça veut dire quoi ? Qu'il va y avoir la possibilité de former une coalition, Nadia Elis, à votre avis ? Et je rejoins ce qui a été dit, c'est vrai que si les petits partis ne passent pas, et ça peut être à la droite comme à la gauche, ça change tout. Déjà, à la base, si tous les partis devaient passer, Netanyahu a beaucoup plus de chances de faire une coalition que Herzog, je dis ça malheureusement, mais c'est une vérité. Si en revanche, il y a quelques petits partis dans la droite qui ne passent pas, ils passent à gauche ou vice-versa, ça peut tout changer. Ça devient franchement stressant, j'avoue que j'attends ces 20 minutes. Avec beaucoup d'angoisse. On a beaucoup décrié la capacité de Benjamin Netanyahou de fédérer, d'être un leader, de réussir à mener une nouvelle campagne. Et ça a été même très loin. Benjamin Netanyahou a pointé du doigt des financements qui essayaient d'investir sur le tout sauf Bibi. Et puis ici, effectivement, la tendance que le reporter ici, à laquelle le reporter ici référait, est qu'il y aurait une égalité entre les deux grands partis. Ça prouverait la popularité de Benjamin Netanyahou, parce que il est sorti voir les médias, il a été interviewé sur la dernière semaine presque plus de fois qu'il ne l'a été depuis qu'il a été élu pour sa dernière cadence. Et ça dirait quand même quelque chose sur la position qu'ont les Israéliens de Benjamin Netanyahou, en tout cas sur sa capacité d'être un leader. Autre chose peut-être, Jean-Charles, une dernière chose là-dessus, c'est qu'on voit encore une fois de plus que les Israéliens votent utile. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup, on l'a senti au foyer juif, au Beit Yehudi, on était à 18, on était à 15, on était à 14, 13, etc. Et petit à petit, les mandats allaient de plus en plus au Likoud parce que les gens se disaient, eh bien on veut sauver le bloc de droite, on veut sauver le bloc de droite. Et quand on a l'habitude de voter idéologiquement, moi j'ai toujours personnellement, et beaucoup de mes amis ont voté idéologiquement, c'est un peu difficile de voir qu'en fait on fait un petit calcul tactique pour savoir qui c'est qui va passer. Alors qu'on sait très bien que quand si le bloc de droite était important, ça suffirait pour former une coalition, peu importe quel est le score du Likoud et du Beit Yehudi. Katia Roltman. Moi, ce que je trouve terriblement triste dans ces élections, justement, c'est que les gens ont tous fait des comptes de la spéculation qui est de toute façon fausse parce qu'on ne sait pas, comment les gens vont voter. Mmh. Et je trouve désolant que les gens n'aient pas voté vraiment avec le cœur. J'ai passé toute la journée dans les calpis, dans les urnes, et j'ai vu les gens. Rares étaient les gens qui disaient « Moi, je vote parce que je crois. Mmh. » dans les chapitres, sûrement, les gens étaient des gens qui croient vraiment que c'est le parti qui va les représenter, qui peut être bon pour l'État et tout. Mais beaucoup de gens qui ont voté ou Likoud ou l'Union sioniste, oui, j'ai pas l'habitude de dire les noms des partis en français. Beaucoup, c'était du calcul. Mmh. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je suis pas sûre que... Bon, la question maintenant, c'est de savoir si qui va être appelé, parce que s'il y a égalité entre les deux principaux candidats... On a tout entendu. Ouais. On a entendu le bloc le plus important, on a entendu le parti le plus important. On se rappelle que Benjamin Netanyahou a presque lancé sa campagne avec l'idée de changer un peu le système
peut-être pour permettre à ce que les gens aillent plus aux urnes en votant pour qui ils veulent et pas pour, j'allais dire, sans ce devoir-là de faire ce calcul qui est imposé par le système, qu'on soit clair. Le système impose le calcul quelque part et de proposer une réforme, d'aller plus loin dans la réforme qui avait été engagée dans un premier temps par Yesh Atid et Avigdor Lieberman et qui nous offrira peut-être un gouvernement un peu plus soft en termes de nombre de ministres et qui va nous offrir aussi la possibilité d'avoir, de ne pas avoir des partis de deux ou trois députés. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Je pense qu'il faut permettre en Israël, au système politique, de donner le pouvoir à des gens et que ces gens puissent régner, puissent effectivement exercer leur mission, non pas pour 2 ans, mais pour 4 ans. Vous avez l'impression qu'on va avoir un gouvernement d'union nationale, c'est envisageable, même si aucun des deux ne le veut. Tout le monde en parle. Moi, je vois pas comment Herzog et Netanyahou se mettraient à faire un choix pareil, même si je crois comprendre que des gens plus experts que moi pensent que c'est une option tout à fait viable. Je ne sais pas. Apparemment, ce serait bien pour le pays, d'après ce que j'entends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dis ça avec de la tristesse. Vous avez raison quand vous dites que Netanyahou est très populaire, que la population israélienne, elle est à droite. Effectivement, c'est une vérité. Là, il y a un effort massif de la gauche pour essayer de sortir les gens voter, justement, parce qu'on sait très bien que la plupart... Oui, et du centre. Parce qu'on sait effectivement que la plupart des Israéliens, en tout cas un très grand pourcentage, votent à droite. Alors le fait que ce soit serré, c'est déjà miraculeux en soi. Si Herzog devait avoir 1 ou 2 sièges de plus, ce serait exceptionnel. Mais encore une fois, est-ce qu'il va pouvoir effectivement faire une coalition ? Absolument pas. Ça, ce serait... Un dernier point là-dessus. Bibi est connu comme étant un survivant. Je ne sais pas au niveau de sa popularité. Sa popularité monte, baisse. Bibi a déjà reçu... Benjamin Netanyahou, pardon, a déjà reçu... 12 mandats, on s'en rappelle. Hein. Et c'est un survivant. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est notre problème, c'est notre inquiétude. Ce qui l'intéresse, c'est de continuer à survivre en tant que Premier ministre 2, 3, 4 ans. Le programme n'est pas très clair. Il a commencé à parler de changer la Shita, donc ce qu'on appelle la Shita, de changer le système des élections. Il en a parlé une fois au début de la campagne. On n'a plus entendu parler après, juste une minute. Et aujourd'hui, on a très peur qu'au nom de je ne sais quelle égalité, il se retourne vers les partis de gauche et qu'il dise finalement, j'en suis obligé. Union nationale. Alors qu'il avait dit qu'il appelait... C'est une crainte qui existe au Likoud aussi. Moi, je pense qu'il est bon pour la démocratie qu'il y ait un gouvernement de droite qui puisse être changé par un gouvernement de gauche. Parce qu'avec une union nationale, on est, j'allais dire, dans quelque chose de pas défini. Et on a l'incapacité d'essayer autre chose. Je veux dire, ce dynamisme est important. Il existe dans d'autres grandes démocraties. Je connais un peu la France. On peut citer les États-Unis. Et je pense que c'est un dynamisme qu'on devrait retrouver en Israël. Je tiens à préciser que pendant 40 ans en Israël, il y a eu des gouvernements de gauche jusqu'au Maapar, donc au renversement opéré par Menachem Begin. Ensuite, on a eu le droit, peut-être 30 ans ensuite, on a eu le droit à 10-15 ans où ça s'est changé. Et puis effectivement, là, on a l'impression que la population israélienne est soit plus à droite, on va dire. Ouais. Mais encore, il s'agit de quelques dizaines de milliers de voix. Bon, on se rejoint sur le fait donc que ce serait bien que ce soit la gauche. Hein, que pas ça du fait, tout, ce serait bien que ce soit... Je rejoignais ici M. Halimi sur sa volonté de voir Benjamin Netanyahou tenir son engagement de faire vraiment un gouvernement. Non, mais alors, vous inquiétez pas, vous savez, Benjamin Netanyahou, il dit une chose, après quelques années après, il dit... mais vous savez, il avait parlé d'État palestinien, et puis hier il a dit il n'y aura pas d'État palestinien, puis il dit une chose, puis il dit autre chose. Alors on va refaire ce débat. Vous inquiétez pas ce qu'il a dit. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus sur une chose, c'est qu'on a envie que le système change, même au Likoud. Les gens ont envie que le système change parce qu'ils ont envie de donner la possibilité à leurs gouvernants de gouverner. Et ça, c'est quelque chose malheureusement qui n'existe plus. Et on a envie de retourner à une certaine sérénité de gouvernement qui donnerait la possibilité aujourd'hui, le fait est qu'il donnerait la possibilité aujourd'hui à Benjamin Netanyahou de gouverner pendant 4 ans. Alors ce sera le débat peut-être qu'il faudra ouvrir juste après l'élection. Vous restez avec nous encore, hein, on va vous donner la parole. Bien sûr, vous allez répondre dans un instant, Cathy Rothman. Mais on va retrouver Rudy Saada qui suit pour nous cette soirée très particulière, évidemment, via les réseaux sociaux. Rudy qui est devant son écran, on le retrouve dans la salle de rédaction d'A24 News. Rebonsoir Rudy. Alors, vous êtes intéressé à la manière dont les Israéliens, on ne parle pas des candidats, mais les Israéliens ont vécu cette journée de vote, Rudy. Oui,
Oui, c'était un jour de fête, un jour de vote et donc de fête démocratique et aussi un jour férié en Israël. Les Israéliens ont tenu souvent avec humour à faire partager leur journée citoyenne. Alors, les deux géants du net avaient eux aussi compris qu'il allait se passer quelque chose sur Internet aujourd'hui en Israël et Google avait prévu une page d'accueil spéciale élection avec la fameuse urne bleue. On appelle ça dans le terme Internet un doodle. Du côté de Facebook, il invitait ses membres à pointer une sorte de à voter virtuel, c'est-à-dire que chaque membre de Facebook qui sortait du bureau de vote avait la possibilité, en appuyant sur une simple touche, de dire qu'il avait voté. Puis résultat, bien, on a eu une sorte de courbe de fréquence, une courbe de fréquentation des bureaux de vote qui a évolué au fur et à mesure de la journée. Voilà ce qu'ont fait les grands d'Internet. Alors, Rudy, on rappelle qu'il y a ce hashtag pour permettre à nos téléspectateurs de commenter ce soir, de réagir sur tout ce qui se passe concernant ces élections. Hashtag I24Elections, I24Elections, si on veut le mettre en français. Il y a également eu, Rudy, vous l'avez constaté, une certaine mode du selfie qui s'est invitée dans les bureaux de vote. Oui, on avait connu ça en France pour la dernière présidentielle, le selfie dans l'isoloir. Eh bien, ça a été le cas, mais même au-delà, il y avait d'ailleurs pour ces selfies isoloirs beaucoup de personnes, de nouveaux immigrants qui votaient pour la première fois avec émotion et qui l'ont fait partager sur les réseaux sociaux. Et puis, il y en a les Israéliens qui, comme d'habitude, ont manié l'humour dans un esprit bon enfant et démocratique. Je voulais vous montrer cette image qui illustre bien cet esprit. C'est l'histoire d'un échange de textos entre un client de Tel Aviv qui réserve une table dans un bar pour ce soir. Et le service de réservation lui répond « Ok, très bien, je t'accorde ta table, mais n'oublie pas d'aller voter. » Et il lui répond « Ne t'inquiète pas, je suis en route à ce soir. » Humour aussi avec cet électeur qu'on va voir indécis entre le Meretz et l'Union sioniste. Le dilemme de la dernière minute, les Israéliens se sont donc mis en scène. Et puis plus original encore, la page Facebook « Hot Election 2015 » sur laquelle certaines Israéliennes inscrivaient pour qui voter sur certaines parties de leur anatomie. Évidemment, je ne vous ai pas préparé d'illustration pour ça. Voilà, donc l'esprit après des semaines qui ont été assez tendues quand même au niveau des débats entre internautes justement sur les pages Facebook des uns et des autres, c'est un petit peu apaisé aujourd'hui pour laisser la place au plaisir d'aller voter. Et donc vous l'avez rappelé Jean-Charles, si vous voulez réagir à cette soirée, aux résultats et aussi au débat du plateau de cette grande soirée électorale, vous pouvez le faire avec ce hashtag I24Election. La prochaine fois, je serai là pour lire à l'antenne vos réactions, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis les réactions la prochaine fois que vous interviendrez, Rudy, ce sera après donc les premières tendances, il y en aura sans doute beaucoup. C'est dans un quart d'heure environ maintenant, donc première tendance sortie des urnes qui seront dévoilées ici même et qui nous donneront peut-être donc cette carte politique très serrée qui peut-être se dessine ce soir une nouvelle fois en Israël. Vous vouliez parler, Cathy Rothman, juste avant, peut-être de cette réforme qui s'impose, mais qu'on verra peut-être pas tout de suite, sauf s'il y a une mobilisation. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est le Likoud, Monsieur Binyamin Netanyahu, qui nous a amenés aux élections parce qu'il pensait former un énorme parti où il pourrait gérer l'État comme il le souhaitait. Et finalement, il nous a amenés aux élections, même si nous n'avons pas encore les résultats. Il semble clair que c'est un échec et que, déjà, j'ai toujours pensé que ces élections étaient absolument inutiles, mais je pense qu'elles ne vont pas nous faire changer beaucoup de choses dans le pays. Vous êtes d'accord? Ce sera un échec s'il n'y a pas un gouvernement clair qui se dégage? Apparemment, c'est un échec personnel. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire. C'est en tout cas, dans le sens où c'est pas, il n'a pas obtenu le succès et l'unanimité qu'il avait peut-être envie, ou en tout cas qu'il croyait obtenir, même si peut-être on aura les résultats et ce sera complètement différent. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une campagne, même je dirais médiatique, en général, globalement, contre le Premier ministre. Ça, on peut pas nier. Les médias se sont vraiment lancés dans cette campagne. Oui, ça, c'est sûr. Oui, voilà. Maintenant, est-ce que c'est mérité ou pas? Évidemment, je pense que oui, vous pensez que non. Mais ça, c'est un autre discours. Je vous rejoins là-dessus. Est-ce que quelque chose va vraiment changer? Il y a eu, je crois, des vagues dans la population israélienne, en tout cas chez les jeunes, pendant ces 2 mois. Au départ, les gens ont cru que vraiment, c'est le moment de faire du changement. Ensuite, petite dépression générale, mais en fait, rien ne va changer, donc pourquoi aller voter? Et puis, cette dernière semaine, apparemment, il s'est produit quelque chose. Les gens ont repris un peu du poil de la bête, ils sont sortis voter. C'est ce que ça a l'air de se passer, en tout cas, si vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour les deux grands partis. Et le résultat final, s'il n'y a pas de changement,
je crois que ce sera un coût très très lourd à absorber pour le pays, parce que le pays a besoin de changement. Maintenant, je ne vais même pas rentrer dans ce qui est gauche et droite. Il faut changer. On ne peut pas continuer dans une situation où on a une guerre tous les deux ans. On ne peut pas continuer dans une situation où on a un enfant sur cinq au-dessous du seuil de la pauvreté. On ne peut pas continuer à être une démocratie. On peut continuer avec 3 points de croissance. On peut continuer à élever le salaire minimum. Mais il y a aussi à faire des réformes. Un chômage inexistant. Voilà, avoir un chômage inexistant. À faire des réformes dans les ports, à faire des réformes dans les aéroports avec le ciel ouvert, à continuer à réformer la société pour essayer d'apporter une plus-value au pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat qui est qui était au cœur des débats politiques de. Comment ? Je me permets de vous interrompre, parce que c'est ça, Jean-Charles a dit quand il m'a présenté, je suis spécialiste du discours, c'est à ça que je m'intéresse. Ce qui est vraiment désespérant, c'est que la droite se contente de ce qu'elle croit être un succès. Alors qu'on a une gauche qui au moins certes critique la droite, mais dit mais il faut changer, il y a de l'espoir, il faut faire plus, il faut s'améliorer, il faut faire encore. La droite, elle est là, elle est contente, et elle se dit mais oui, on a fait ci, on a fait ça, et c'est un peu le principe mais c'est d'une, où c'est l'amélioration campagne électorale de mettre en avant nos points positifs et de cacher un peu les points sur lesquels on n'a pas été les plus performants. J'ai pas vu beaucoup de partis qui ont mis en avant et qui ont investi des millions pour mettre en avant effectivement leurs échecs. Ceci dit, je tiens à dire que le contentement et le fait de cacher systématiquement ses échecs et de continuer à montrer que peut-être le pire projet politique des 20 dernières années, à savoir les accords d'Oslo, de le présenter encore comme quelque chose, comme une grande réussite, je pense que ça, c'est le propre de la gauche. Je veux dire une chose, on est fiers de notre pays, on en est même très fiers. Maintenant, le discours réac de la gauche, c'est ça qui est fatigant un petit peu. Vous parlez de discours, je pense que le discours réactionnel qui dit tout le temps que oui, voilà, ça va pas. Alors venons, regardons d'une manière objective ce qui va pas, on en est d'accord, et il y a beaucoup de programmes qui ont été présentés pour changer ce qui va pas, mais aussi pour voir ce qui va. Moi, j'ai pas vu à gauche, ni au centre d'ailleurs, excusez-moi madame, aucun mot sur ce qui, oui, allait, sur ce qui a été changé. Ce qui a été fait par la droite, par Benjamin Netanyahu, ce qui a été fait par Naftali Bennett et aussi par Yair Lapid durant ce dernier gouvernement. Et je pense que c'est bien dommage. Cela dit, deux commentaires sur ce qui a été dit. D'abord, à propos d'Internet, j'ai cherché un petit peu aujourd'hui sur Internet pendant les minutes où j'avais le temps et j'ai retrouvé une photo de Tzipi Livni mettant une petite fiche Mahal dans une enveloppe. Ça m'a fait un petit peu rire. Ça m'a ramené quelques années en arrière pour savoir que Tzipi Livni avait changé trois fois. Mahal, c'est ce qui est écrit sur les. Mahal, c'est ce qui est écrit sur les. Et au Milk National, donc c'est-à-dire qui votait à l'époque Likoud. Et je dois dire autre chose, c'est que si on entend un mécontentement et des propos plus ou moins négatifs des gens qui sont, enfin, de ces chères dames qui sont en face de nous, du centre et de la gauche, en disant qu'il y a un certain mécontentement, je pense que c'est pas mal, qu'on est content. Alors on va aller à Nazareth, car c'est là que se trouve le quartier général de la liste arabe commune, comme on l'appelle, liste arabe unifiée. C'est Léa Berdugo qui est sur place. Alors c'est une liste qui pourrait obtenir ce soir en tout cas un score qui sera forcément historique, puisque c'est la première fois qu'elle est unie en Israël. Léa Berdugo, est-ce que l'atmosphère ce soir à Nazareth laisse justement supposer une belle surprise pour cette liste? Oui, alors ça commence à s'agiter ici. Je pense que vous pouvez l'entendre et le voir derrière moi. Il règne comme un air de victoire ici. Nous avons vu Ayman Odeh, la tête de liste de cette liste arabe unifiée, et Ahmed Tibi venir ici. Ils sont survoltés. Alors évidemment, les prochaines minutes nous diront à quel niveau ils se trouvent dans les résultats de ces élections législatives. En tout cas, ici, il y a une ambiance forte et beaucoup de personnes qui commencent à arriver dans ces quartiers généraux de la liste arabe unie. Léa, on rappelle que cette liste arabe unie est une mosaïque de partis finalement qui ne s'entendent pas forcément, et on se demande ce que va devenir justement cette alliance après les élections. Bah écoutez, 1000 questions planent sur l'avenir de cette coalition et de ce rassemblement de 4 partis arabes, tout simplement parce qu'ils ont des opinions totalement différentes. Ce panel va d'un parti communiste judéo-arabe, le Hadash, pour aller jusqu'à un mouvement islamiste. Alors évidemment, les divergences de vues sont extrêmement nombreuses. En tout cas, ils ont d'ores et déjà annoncé qu'il serait très peu probable qu'ils rejoignent une coalition, mais ils n'ont rien dit de définitif. À laisser planer le doute sur la question. Donc nous verrons à l'avenir quel sera le futur de cette coalition.
Merci Léa Berdugou. On vous retrouve après 22h évidemment pour réagir à la tendance donc sortie des urnes, la première estimation que nous vous dévoilerons dans 10 minutes maintenant concernant ces élections israéliennes à la Knesset 2015. Alors on parlait évidemment des bilans et de ce gouvernement qui sera peut-être très difficile à composer tout à l'heure. En tout cas ce qui est sûr c'est que Yair Lapid lui a dit, Cathy Rothman, qu'il ne souhaitait plus retrouver Netanyahou comme chef de gouvernement. Il a en tout cas dit qu'il ferait tout pour que Netanyahou ne soit pas au gouvernement. Maintenant, ce qu'il va faire, il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Il attend d'avoir les résultats définitifs pour prendre position. Ce que Yair Lapid veut faire, c'est continuer à travailler pour ses objectifs, pour l'État, et où l'œil va taire. Il ne va pas renoncer à ce qu'il veut faire, quoi qu'il arrive, et à ses objectifs. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière dans le débat. Yesh Atid a eu énormément d'acquis dans le gouvernement précédent, l'égalité face aux obligations, l'armée, avoir permis de faire rentrer des religieux orthodoxes dans le monde du travail, diminuer le nombre de ministres sans, comment on dit en français, sans portefeuille, et il avait prévu surtout un grand budget qui devait prendre cours au 1er janvier avec énormément de réformes dans l'immobilier, pour les personnes âgées, dans le social, et que, hélas, on lui a couper l'herbe sous le pied. Et ça, je trouve très dommage. On avait quand même un gouvernement qui était élu pour 4 ans, qui avait des chances de faire des changements. Et je suis désolée de dire que Bibi Netanyahou n'a pas su gérer son gouvernement. Madame, quant aux soldats, du monde orthodoxe, la commission qui s'en est occupée était quand même la commission Shaked, donc la commission qui venait du Baït Yehoudi. Donc s'il y a un acquis à parler, on peut en parler. J'imagine que ça a été un effort conjoint, mais enfin le Baït Yehoudi a aussi, été là. Du gouvernement sortant. C'est un acquis du gouvernement sortant. Il faut en parler. Qui pourrait être mis en cause, parce que vous parliez de l'augmentation des votes. Donc on sort de la liste arabe commune ou unie. Et il faut savoir qu'il y a eu un réveil aussi des votes chez les ultra-orthodoxes, chez les Haredim. Le rabbi Aaron Lebsteinman, qui est la tête de file des partis ultra-orthodoxes, en tout cas Ashkenaz, c'est-à-dire d'Europe, a dit que c'était une mitzvah, donc une obligation d'aller voter. Donc les ultra-orthodoxes sont allés voter et se sont présentés. Ils ont une croissance qui fait qu'en général, ils obtiennent de scrutin en scrutin un peu plus de voix. Et je pense qu'il serait intéressant aussi de voir leur positionnement, parce qu'on a toujours eu à faire face à des partis ultra-orthodoxes qui étaient traditionnellement de droite, mais qui étaient prêts en fait à aller vers n'importe quel gouvernement, parce qu'ils avaient d'abord un agenda, ils avaient un secteur, d'accord, envers lequel ils avaient des obligations. Je pense que le dernier scrutin, l'apparition de Yesh Atid, peut-être en réaction à cette tendance-là, a permis de changer un peu les choses. Et il va falloir voir aussi quel va être le positionnement des ultra-orthodoxes, qui ne sont plus deux mais trois partis cette fois-ci, au même titre que on se demandait de voir quelle allait être la réaction de la liste arabe unie. C'est effectivement le point des ultra-orthodoxes, c'est très intéressant dans la mesure où effectivement la séparation de Ch'ass et Eli Ishay, qui a donc fondé un nouveau parti, risque de baisser en fait la présence des ultra-orthodoxes dans la Knesset, puisque si Eli Ishay ne passe pas le seuil d'éligibilité, on dit comme ça en français, eh bien on aura moins d'ultra-orthodoxes cette fois-ci, ce qui fait que déjà ça affaiblirait la droite, bien sûr, mais également une partie de la population qui effectivement est grandissante. Donc ça veut dire que dans les prochaines élections, on risque d'avoir aussi un mouvement ultra-orthodoxe encore plus puissant et encore plus engagé. Ce qui est intéressant de dire par rapport au parti orthodoxe, c'est que, il y a une division qu'on n'a jamais vue, qui existe cette fois. Deuxièmement, c'est que Ch'ass et Gimel, d'une manière traditionnelle, ne sont pas à gauche ou à droite. On a d'ailleurs même dit sur Ari Dehri lui-même qu'il était totalement à gauche dans ses visions, bien qu'il l'ait dit dernièrement qu'il conseillerait au président de voter pour Bibi. Et juste une dernière chose sur Yahad, le parti de Eli Ishay, c'est un parti qui répond à un besoin qui vient du terrain. On avait des sionistes, des religieux sionistes très forts, comme on appelle les Hardalnikim, qui voulaient absolument avoir un parti qui était plus Haredi, qui allait plus vers la Torah. Et on avait certains Haredim qui voulaient être plus sionistes. Et donc il a répondu à un besoin qui existe. Effectivement, il est bien positionné à droite
contrairement à Chasse et à Guimel, et j'espère qu'il va passer le seuil d'éligibilité. Alors, on va vous dire ça dans un instant. Je vous remercie à tous, hein, Jérémy Halimi, Raphaël Amzalag, merci à Cathy Roltman, merci Nadia Ellis d'avoir participé à ce débat. On va se retrouver dans un instant pour vous donner les toutes premières estimations, mais on se rappelle que lors du précédent scrutin, eh bien, c'est la liste Yesh Atid de Yair Lapid qui avait été la surprise de ce scrutin. On verra ce qu'il en est dans un instant, mais tout d'abord, eh bien, bien gros plan sur cette liste et sur Yair Lapid. C'est tout de suite avec Shahar Peled et Léa Volbert. Qui est Yair Lapid? Tout juste entré en politique, il crée la surprise en atteignant le haut du classement lors des élections de 2013. J'appelle les dirigeants politiques à collaborer avec moi pour former le plus large gouvernement possible. Un gouvernement qui englobe les éléments modérés de gauche et de droite pour créer un réel changement en Israël. Lapid, ancien présentateur télé vedette d'Israël, avait créé le parti centriste Yesh Atid en avril 2012. Lors des élections de janvier 2013, Yesh Atid avait réalisé un véritable exploit en devenant le deuxième plus grand parti du pays, avec 19 sièges au Parlement sur 120. Avant de se lancer en politique, le très populaire fils de l'ancien ministre de la Justice, Tommy Lapid, a été acteur, écrivain et journaliste. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dû se résigner. Lapid est devenu l'homme le plus influent de la classe politique israélienne. Il se voit remettre le portefeuille des finances, une tâche lourde à assumer. Lapid n'a aucune expérience économique, ni d'ailleurs le baccalauréat. Au cours des 18 derniers mois, Yesh Atid aura réussi à réformer le système politique, à enrôler les juifs orthodoxes et à obtenir des aides budgétaires aux rescapés de l'Holocauste. Mais en Israël, ses partisans restent déçus et frustrés du coût de la vie en constante augmentation. Certains admettent toutefois qu'il lui faudra du temps pour agir. Il n'a pas eu le temps de faire appliquer ses mesures, mais il est de bonne foi. Il lui faut du temps, il a manqué de ressources. D'après les sondages, Yesh Atid pourrait perdre 7 sièges au Parlement. Lapid passe donc à la vitesse supérieure. Limogé de son poste de ministre des Finances par Netanyahou en décembre, il s'engage dans une nouvelle bataille contre le Premier ministre. Ce mardi doit être le dernier jour de Netanyahou en tant que Premier ministre d'Israël. Mais Lapid s'abstient cependant de déclarer qu'il soutiendra la candidature d'Itzhak Herzog au poste de Premier ministre. Je regarde Netanyahou et Herzog et je vois qu'ils ne donnent pas cher de leur peau. Si Yesh Atid n'est pas assez large et fort pour construire une coalition, ils braderont leur siège. Meeting, entretien et visites en tout genre, Lapid s'efforce de se montrer proche de ses électeurs. Suivi de près par Moshe Garlon, il compte bien reproduire sa prouesse de 2013. Voilà donc pour ce portrait de Yair Lapid, dont on verra dans un instant s'il se maintient à son niveau, qui avait donc surpris tous les observateurs en 2013. On est maintenant à quelques secondes de vous dévoiler les premières estimations, premières sorties des urnes. On s'attend à quelque chose de très serré, autant vous le dire tout de suite. Donc on va analyser tout cela avec de nouveaux invités qui nous rejoignent. Tout d'abord nos deux analystes politiques maison, Dror Evensapir, bonsoir. Bonsoir Daniel Haïk, rebonsoir. Bonsoir, cette fois bonsoir. Vous êtes dans le studio. Bonsoir à Emmanuel Navon, qui est membre du comité central du Likoud, et puis à Pierre Besnénou, bonsoir, vous êtes bonsoir. Porte-parole francophone pour l'Union sioniste, car ce sont les deux blocs, évidemment, qui sont censés se détacher ce soir. On verra cela dans un très court instant. Je vous rappelle d'ailleurs que les bureaux de vote vont fermer dans quelques secondes, donc ça veut dire qu'on va avoir une estimation qui, encore une fois, ne sera qu'un sondage sorti des urnes. Ce ne sont pas des résultats officiels que l'on va vous dévoiler dans un instant, mais tout simplement donc les sondages recueillis auprès de celles et ceux qui sont allés se rendre aux urnes aujourd'hui, qui ont voté, et dont on estime avec un panel représentatif que ça peut donner à peu près une carte fiable du paysage politique israélien. Ça se passe dans d'autres pays de la même façon. On va également analyser tout cela, parce qu'une fois qu'on vous aura dévoiler ces résultats, il faudra se projeter immédiatement dans des possibles coalitions. Qui peut être le Premier ministre? Qui peut former une coalition fiable? Tout cela, ça se fera dans un deuxième temps. Donc celui qui peut arriver en tête ce soir n'est pas forcément le futur Premier ministre de l'État d'Israël. On va donc vous donner tout cela dans un très court instant. On ira également vous montrer immédiatement les réactions dans les différents quartiers généraux pour voir comment évidemment les militants, les supporters de chaque liste accueillent ces résultats que l'on annonce encore une fois
très serré depuis le début de cette soirée. Il y a une participation en hausse. On verra également le chiffre définitif. Dans un instant, on retrouvera Maxime Pérez qui est à Jérusalem au siège donc de la Commission centrale électorale. Et puis, on va également vous proposer les toutes premières réactions des principaux leaders qui vont se rendre, comme c'est la coutume, dans leur QG, parler à leurs militants, remercier ceux qui ont voté pour eux et puis peut-être pouvoir dire ce qu'ils vont faire après ces résultats. Allez, il est presque 22h ici à Tel Aviv et on va vous donner tout de suite, pour mettre fin au suspense, eh bien, les premières estimations auprès des deux principales listes. Est-ce qu'il y a une liste qui se détache ou pas? Ça va prendre quelques secondes et vous allez voir s'afficher à l'écran les visages et Benjamin Netanyahou et d'Yitzhak Herzog avec le score. Voilà, 27 pour le Likoud, 27 pour l'Union sioniste. C'est la première estimation donc sortie des urnes sur i24 News qui vous est donnée. Si on était en football, on dirait match nul, mais en politique, il faut peut-être un vainqueur. Alors avant d'aller plus loin et de vous donner des estimations plus affinées pour tous les partis, premier commentaire ici en plateau, Dror Even Sapir. Oui, bon bah écoutez, c'est la victoire des grands blocs, des deux grands partis, et c'est d'ailleurs c'est ça la surprise du scrutin en fait, hein, parce que aucun de ces deux grands partis, le Likoud ou l'Union sioniste, n'avait dépassé en fait les 25 sièges, si mes souvenirs sont bons, au cours de cette campagne électorale. Le pari de Benjamin Netanyahou a été gagné en fait, puisqu'il a dans une certaine mesure, puisqu'il a toute la campagne, les derniers jours de campagne ont consisté, du point de vue de Benjamin Netanyahou, à réveiller, à sortir de sa torpeur l'électorat de la droite la plus idéologique, en agitant la crainte d'un retour de la gauche au pouvoir, et donc en faisant un appel du pied très clair aux électeurs de Naftali Bennett. Naftali Bennett qui s'écroule avec 8 sièges. Alors on va voir hein, justement les premières tendances sorties des urnes données par la deuxième chaîne israélienne. Vous allez le voir parce que vous allez avoir une vue plus précise de la carte politique israélienne ce soir, selon donc la deuxième chaîne israélienne qui est la première hein, en termes commerciaux. Vous le voyez, elle donne elle un avantage d'un siège à l'Union sioniste avec 28, 27 pour le Likoud, 12 pour la liste arabe unie, 11 pour Yesh Atid, ça c'est à peu près ce qui était prévu, tout comme Kulanu Karklon 10, et donc effectivement vous le disiez Dror Even Sapir, 8 sièges seulement pour Naftali Bennett, foyer juif, qui est en recul, ce qui donc semble indiquer effectivement qu'il y a eu un report de voix vers le Likoud. On va voir les autres partis maintenant, toujours selon la deuxième chaîne israélienne, on verra dans un instant les autres chaînes israéliennes, mais on peut peut-être avoir la deuxième configuration, donc cette fois, eh bien il n'y aurait donc que ces deux listes qui réussiraient à entrer pour l'instant avec Israël Beitenu donc de Lieberman qui aurait 4 sièges. Meretz, le parti de la gauche, réussirait à rentrer là aussi avec 4 sièges. Voilà ce que donne donc la deuxième chaîne israélienne. Daniel Haïk, commentaire. Première conclusion, il n'y a pas de décision tranchée de la part de l'électorat israélien dans ce fameux débat qui a animé toute cette campagne électorale, à savoir quel est le dossier prioritaire, le sécuritaire ou le social. Eh bien, les Israéliens n'ont pas voulu trancher. Ils ont dit que le social les préoccupait. C'est le résultat très honorable d'Yitzhak Herzog et également de Moshe Kahlon et de Yair Lapid. Mais ils affirment, ils continuent de croire que Benjamin Netanyahou reste le garant, le principal garant de la sécurité de l'État d'Israël. Conclusion. Eh bien, cela risque de nous amener, de nous conduire vers un gouvernement d'union nationale. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, l'homme déterminant, ça sera le président de l'État. Et le président de l'État l'a affirmé au cours des derniers jours et des dernières semaines. Il est favorable à un gouvernement d'union nationale. Et lorsqu'il y a une parité comme celle-là, eh bien, quasiment, il n'a pas le choix que d'essayer de suggérer, si ce n'est d'imposer à Yitzhak Herzog et à Benjamin Netanyahou de former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'union nationale qui traitera et du problème sécuritaire et du problème social et qui devra aussi traiter d'un problème dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours, c'est le système, la réforme du système électoral. On constate que l'on est dans une situation d'impasse aujourd'hui encore. Il n'y a pas de décision tranchée. Il faut modifier ce système électoral et ça sera peut-être l'un des défis du prochain gouvernement, peut-être donc un gouvernement d'union nationale qui devrait, qui pourrait
pourrait être dirigée par Benjamin Netanyahou. Les coalitions sont semblent claires au niveau des... Je voudrais qu'on voit, alors que vous avez là l'image de la réaction des fans, des supporters de Netanyahou au Likoud à Tel Aviv. Vous voyez que c'est plutôt le contentement. C'est vrai qu'il faut rappeler que les derniers sondages donnaient une avance à l'Union sioniste, qu'elle a été comblée donc ce soir visiblement. On va vous montrer également après ces images donc en direct du QG du Likoud à Tel Aviv, où on est donc plutôt satisfait d'avoir en tout cas comblé le retard annoncé dans les sondages avec l'Union sioniste, même si on ne sait pas à l'heure qu'il est, on va y venir, qui va diriger effectivement le prochain gouvernement. Je voudrais qu'on voit l'estimation donnée par la chaîne 10 en Israël, autre chaîne donc importante dans le paysage israélien. On va voir quelle estimation donc donne cette chaîne. Vous voyez que là on est dans l'égalité parfaite, c'est-à-dire 27-27 entre le Likoud et l'Union sioniste, 12 cette fois pour la liste arabe unie, 12 pour Yesh Atid, un siège de plus également pour Bennett et le foyer juif, et puis 9 seulement pour Kahlon et Kulanu. Deuxième animation, toujours selon la 10e chaîne israélienne. Ça va nous permettre de constater comment se portent les autres listes. Vous voyez que le Meretz est à 5, le parti de gauche, et que Israël Beiteinu est à 5. Il manque les résultats, voilà, les résultats des orthodoxes qui vont vous être communiqués dans un instant, mais Ch'ass se situe autour de 7. On arrive, si on fait déjà on essaye de faire des coalitions, on arrive à quasiment une sorte de parité avec un homme qui aura un rôle déterminant, c'est Moshe Kahlon, qui risque d'être le faiseur de roi, même s'il n'est pas certain qu'il y a besoin d'un roi. Peut-être qu'il y aura deux rois à se partager la couronne de direction de l'État d'Israël. Mais Moshe Kahlon risque d'être au milieu avec, quelque part, une coalition de 55, en tout cas au moins pour ceux qui vont recommander tel ou tel, que ce soit Yitzhak Herzog ou Benjamin Netanyahou. 55 d'un côté, 55 de l'autre, 56, 54. Et Moshe Kahlon au milieu. Majorité absolue à 61, il faut le rappeler. Majorité absolue à 61. Mais la première étape, ça sera d'abord de savoir qui reçoit le plus de recommandations pour former la coalition gouvernementale. Mais le président de l'État, s'il est clairvoyant, il va voir qu'il n'y a pas de décision tranchée. Il va voir qu'on est serré à droite, serré à gauche. Et que peut-être, quelque part, la seule option est de former un gouvernement d'union nationale avec des partis qui sont renforcés, des grands blocs qui sont plus importants qu'on ne le pensait. Plus important que ce que donnait le sondage. Lorsque on parlait de gouvernement d'union nationale potentiel avec un Likoud qui était à 20 et un parti union sioniste qui était à 23, il aurait fallu encore, pour compléter 61 mandats, il aurait fallu l'aide de plusieurs partis, des partis orthodoxes, de Kahlon. Là, maintenant, avec les deux blocs renforcés, eh bien, ils ont 52 mandats. Ils peuvent se suffire quasiment de Kahlon et ils ont une majorité pour gérer un gouvernement de manière sereine. Alors, réaction maintenant avec vous, qui représentez donc ces partis, Emmanuel Navon. C'est pour le Likoud ce soir un soulagement d'avoir évité ce que certains appelaient une défaite annoncée? Oui, je pense que si on compare ce résultat, ces estimations à ce qui était prévu par les sondages, c'est très clairement un succès. C'est-à-dire que les derniers sondages de la semaine dernière parlait de 20 mandats pour le Likoud contre 24, voire 26 pour le Parti travailliste. Certains même prévoyaient 18 pour le Likoud. Donc là, en fait, on est à égalité avec des scores qui sont très honorables. Et je vous rappelle qu'on a un score qui est quasiment identique à celui de 2009. Le Likoud avait fait 27 sièges en 2009. À l'époque, c'était le parti Kadima de Tzipi Livni qui en avait fait 28. C'était le Likoud qui avait formé la coalition parce qu'il avait plus de partenaires que le parti Kadima. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres, d'abord, on n'a pas encore les chiffres des partis orthodoxes qui auront également un rôle déterminant. Il semble que théoriquement, aussi bien le Likoud que le parti travailliste puissent former une coalition, mais que le Likoud aurait plus de facilité à former une coalition que le parti travailliste. Et bien entendu, aussi bien Benjamin Netanyahou que Yitzhak Herzog vont se déclarer vainqueurs. Mais encore une fois, la victoire sera déterminée pas par leurs scores respectifs, mais par leur capacité à former une coalition. Pierre Besnénou, pour l'Union sioniste. Écoutez, c'est vrai que ce sont des chiffres surprenants, et en particulier comparés au dernier sondage où on voyait un Likoud tourner autour de 20 sièges. Mais sur les premiers constats, en fait, c'est un effondrement de l'extrême droite, ou plutôt
un repositionnement de Bibi Netanyahou vers l'extrême droite, puisque effectivement, les derniers jours, c'est plus d'État palestinien et tout un ensemble de messages qui ont été chercher les voix de Bennett et les voix de Eli Yishai, puisqu'apparemment... Donc le parti Yahad, effectivement, voilà, n'entrerait pas à la Knesset. Apparemment. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, Bibi Netanyahou a redressé la situation du Likoud en allant plus à l'extrême droite et récupérer ses votes. Mais très honnêtement, en regardant l'évolution, c'est vrai qu'on est dans une situation très paradoxale. L'hypothèse de l'Union nationale, pour moi en tout cas, s'éloigne. Mm-hmm. Le positionnement de Bibi Netanyahou de ces derniers jours amène quand même un éloignement dans l'hypothèse d'un gouvernement d'Union nationale. Je ne vois pas comment on peut raisonnablement, lorsque l'on dit clairement, comme il l'a fait maintenant, je ne suis pas pour un État palestinien, et sur tout un ensemble d'autres sujets, imaginez qu'il puisse y avoir un rapprochement. Alors il est vrai, et on le verra dans les prochains jours, que ça va être quand même extrêmement complexe, parce que ce sont maintenant deux blocs non négligeables, mais je suis encore plus inquiet parce qu'on va repartir sur une situation de négociation assez paradoxale. Il y a une dynamique. En fait, il y a une dynamique tout de suite après après le résultat des élections. On remet les compteurs à zéro. Et tout ce qu'ont dit les députés, les responsables, les chefs de parti avant, eh bien, est quasiment effacé effacé par la réalité, par la raison d'État. Ce sont des hommes politiques qui vont parvenir à s'arranger. Vous savez, Benjamin Netanyahou est parvenu à s'arranger avec la plupart de ses ennemis. À l'époque, c'était David Levy, il s'est même arrangé avec des gens avec lesquels il n'était pas du tout en accointance. Et donc, finalement, là aussi, on peut s'attendre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On est quasiment dans un cas de figure qui ressemble à celui de 84, où il y avait une parité quasi totale entre le Parti travailliste et le Likoud, entre Yitzhak Shamir à l'époque et Shimon Peres de l'autre côté. Plusieurs observations. Dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on transmet les messages suivants. Mm-hmm. Benjamin Netanyahou serait en mesure, dès cette nuit en fait, de rassembler autour de lui une coalition gouvernementale. Et c'est peut-être pas faux. On parlait de Moshe Kahlon comme étant le faiseur de roi. Moshe Kahlon vient du Likoud, il faut le rappeler. Il aurait eu la légitimité à se rallier à la gauche, à se rallier à Yitzhak Herzog, si le score obtenu par le Likoud avait été bas, si Benjamin Netanyahou avait été désavoué par l'électorat, eh bien Moshe Kahlon aurait pu dire « le peuple a parlé, mm-hmm. et mes quelques dizaines, 9 ou 10 mandats, eh bien, je l'apporte à une éventuelle coalition dirigée par Yitzhak Herzog avec le centre, la gauche et les partis orthodoxes ». Maintenant, c'est évidemment pas le cas. Et donc on peut imaginer que Benjamin Netanyahou puisse rassembler une coalition qui va de Moshe Kahlon au centre jusqu'à Avigdor Lieberman, en passant par les partis orthodoxes, avec bien évidemment comme point central et renforcé un Likoud qui obtient 27 mandats. Donc l'option d'un gouvernement de droite, avec le maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre, est une option qui est plausible. Même si, effectivement, lorsqu'on a un résultat avec les deux grands partis au coude à coude, l'option qui apparaît la plus immédiate, c'est celle d'un gouvernement d'union nationale. Mais, et ça aussi, c'est une donnée qu'il faut avoir à l'esprit, la plupart des Israéliens n'en veulent pas. Alors, je voudrais qu'on voit la dernière estimation donnée par la deuxième chaîne israélienne, qui tout à l'heure semblait pencher pour l'égalité ou pour une avance. On va revoir en image, et ça va être un peu plus précis maintenant, c'est le Likoud qui est donné donc, avec un siège d'avance, donc la liste Netanyahou, 28, 27 maintenant pour l'Union sioniste. Ça va sans doute bouger encore, hein, parce qu'encore une fois, ce sont des sondages sortis des urnes. Les bureaux viennent à peine de fermer et ce ne sont pas les résultats officiels. Et vous le voyez, donc 9 pour par exemple Kahlon, qui pourrait être celui qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre, 12 pour Yesh Atid, dont il sera intéressant de se demander également ce qu'il va faire, on va le faire avec vous dans un instant, 8 pour Bennett, qui a donc été le grand perdant sans doute ce soir de cette soirée électorale. Et puis on va voir dans une deuxième animation peut-être ce que donnent justement les partis orthodoxes, car on sait que l'un d'entre eux n'entre pas à la Knesset, mais vous voyez que le parti Chass a 7 sièges, que le parti de la Torah unifiée en a 6 selon cette estimation, 5 pour Meretz qui garde donc sa place à la Knesset et 5 pour le parti de Lieberman.
quand on regarde cette nouvelle estimation, donc deuxième chaîne israélienne, Daniel Aïe. C'est quasiment le même. Tous les trois estimations sont quasiment semblables. On va voir la première chaîne dans un instant. La même configuration, on est véritablement dans la même configuration. Les partis orthodoxes passent de 18 mandats à 13 avec la défection d'Eli Ishaï, qui ne parvient pas à franchir le seuil des légitimes. Ça devait pénaliser Netanyahou ? Est-ce que ça le pénalise ? Alors, ça aurait pu pénaliser Netanyahou si le Likoud n'avait eu que 20 mandats ou 21 mandats. Et donc, les 4 mandats auraient fait défaut au bloc de droite. Mais lorsque le Likoud a déjà 27 mandats, quelque part, c'est un moindre mal pour le Likoud, pour la coalition de droite, de ne pas avoir Yahad. Et malgré tout, avec 27 mandats, la droite peut former une coalition relativement stable, on va dire, légèrement majoritaire et relativement stable. Ouais. Alors, autre commentaire, est-ce qu'à votre avis, Netanyahou, ce soir, peut former une coalition qui va lui permettre de garder sa place, Emmanuel Navas? D'après les chiffres qui sont publiés, Netanyahou a une coalition droite, parti orthodoxe, de 64 députés, sans faire entrer Yair Lapid, et j'insiste là-dessus, parce que Yair Lapid, d'après les sondages, lui ajoute encore 12 sièges, ce qui signifierait 76. Pourquoi je mets un point d'interrogation là-dessus? Puisqu'on connaît les relations entre le parti de Lapid et les partis orthodoxes. Il n'est pas impossible qu'il arrive à les mettre ensemble. On sait l'animosité très profonde qu'il y a entre Netanyahou et Lapid. C'est beaucoup à cause de Lapid que Netanyahou a décidé d'engager des élections anticipées. D'un autre côté, dans la précédente coalition, Lapid avait un siège de plus que le Premier ministre lui-même et lui rendait la vie impossible. Aujourd'hui, avec le rapport de force est complètement changé. Avec un Premier ministre avec 28 sièges et un Lapid avec 12, c'est plus du tout le même rapport de force. Donc, avec, encore une fois, pour résumer, d'après les chiffres, Netanyahou a une coalition droite orthodoxe 64. Il peut rajouter Lapid s'il le souhaite. Il n'est pas obligé de le faire. Bon, Pierre Besnénou, on avait parlé de cette soi-disant envie de changement des Israéliens. Elle ne se manifeste pas ce soir, visiblement. C'est un fait. Si les chiffres restent ce qu'ils sont, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ça amène encore une fois, comme à chaque élection, à se poser de grandes questions sur le système. Puisque globalement, plus de 75% des Israéliens auront voté un candidat qui n'est pas Bibi Netanyahou. 75% des Israéliens auront choisi de ne pas redonner confiance à un mandat à Bibi Netanyahou. Ça, c'est un fait. Mais malgré cela, très probablement, si les chiffres se confirment, vous avez raison, nous allons être dans une situation qui fait qu'effectivement, Bibi Netanyahou sera celui qui pourra créer une coalition. D'ailleurs, c'est ce que c'est assez choquant. Ce semble confirmer les images d'ailleurs qui nous parviennent en direct du quartier général de l'Union sioniste, où on voit bien qu'à part quelques jeunes là qui dansent, eh bien les mines n'ont pas l'air à la victoire et à la fête. C'est tout de même un score bien meilleur que ce que tous les sondages annonçaient pour l'Union sioniste, mais c'est pas un score qui permet à Herzog et à l'Union sioniste de rassembler autour d'eux une coalition gouvernementale. Netanyahou, encore une fois, peut le faire avec une majorité de 3 ou 4 sièges, ce qui est peu, mais suffisant, hein, alors que ce n'est pas le cas de l'Union sioniste. Je crois que Benjamin Netanyahou peut ce soir remercier grandement Naftali Bennett de s'être quasiment sacrifié pour la cause du camp nationaliste. Est-ce que c'est lui qui s'est sacrifié ou est-ce que c'est Netanyahou qui s'est sacrifié? Oui, c'est-à-dire Daniel, voyons. C'est-à-dire, il est clair que Naftali Bennett, dans le camp de Naftali Bennett, on a préféré voter en faveur du Likoud pour essayer de combler cet écart donné par les sondages, et on a déserté l'idéologie traditionnelle de Naftali Bennett. C'était l'état d'esprit qui régnait dans le camp de la mouvance sioniste religieuse au cours des derniers jours. Donc Naftali Bennett, il s'est sacrifié, je veux dire, contre son gré. Bien entendu, il ne le veut pas, il se retrouve dans une situation périlleuse. Et le deuxième point, c'est que quand même, Benjamin Netanyahou, malgré tout, alors que l'on disait affaibli, que l'on disait en usure du pouvoir, effectivement, c'est ces derniers mois, a réussi à sortir quasiment indemne. Il a frôlé la catastrophe, mais il sort quasiment indemne d'une campagne, tout contre Bibi, tous contre Bibi. Et finalement, parfois, on appelait Benjamin Netanyahou le magicien. Quelque part, ce soir, on a un peu le sentiment que Benjamin Netanyahou redevient une forme de magicien qui parvient malgré tout, envers et contre tout, contre toute attente, à sortir de son chapeau une sorte de semi-victoire et en tout cas, certainement pas une défaite. Ce qui confirme également ce que disait l'ancien président du Conseil, Giulio Andreotti, le pouvoir n'use que ceux qui ne l'ont pas. Je pense que Benjamin Netanyahou, que la chance de Benjamin Netanyahou, les deux chances de Netanyahou
Netanyahou, c'est d'une part le fait que la société israélienne s'est droitisée, qu'elle est plus à droite qu'auparavant, d'ailleurs à l'image de beaucoup d'autres démocraties occidentales, et qu'en face, eh bien, il avait un candidat qui manifestement a fait une bonne campagne puisqu'il a obtenu un bon score, mais dont on sait qu'il manque de charisme, de personnalité. Yitzhak Herzog n'a pas véritablement convaincu. Maintenant, ce qui est important, c'est que Benjamin Netanyahu s'apprête à probablement à battre le record de longévité détenu auparavant par David Ben-Gurion au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Il y avait tout de même une usure du pouvoir, il y avait tout de même de larges pans dans la société israélienne, et pas seulement à gauche, qui s'était lassé de Benjamin Netanyahu. Et ça Netanyahou devra le prendre en considération. Est-ce que devra les médias israéliens différemment n'ont pas grossi aussi peut-être cette volonté de changement affiché? Parce que quand on regarde les résultats ce soir, on disait les Israéliens veulent changer. C'est aussi l'image que donnaient les médias à l'étranger. Ce que les médias israéliens ont probablement sous-estimé, c'est le fait que la droite israélienne, la droite idéologique israélienne est bien plus puissante et plus convaincue que ce que l'on pouvait imaginer. Et Netanyahou a gagné grâce, de son point de vue, à cette droite idéologique, en laminant ses adversaires, que sont, de ce côté-là, l'échiquier politique, que sont Naftali Bennett et Avigdor Lieberman. Elishai, probablement, ne franchit pas le seuil d'éligibilité. Et le score, plutôt bon, mais sans plus, obtenu par Moshe Kahlon, prouve que l'électorat de base du Likoud, voulait rester à la maison, voulait rester au Likoud, peut-être, encore une fois, pour des raisons qui sont proprement idéologiques. Alors, on va aller justement au siège du Likoud, maintenant à Tel Aviv, retrouver Cyril Amar qui est sur place. Vous voyez que la fête semble être sortie. Cyril Amar, vous avez senti effectivement ce soulagement à l'annonce des premières estimations là, et cette victoire que certains peut-être voient déjà se dessiner? Oui, effectivement, quelques minutes avant même la publication des premiers sondages de sortie d'urne, on a bien compris ici que quelque chose était en train de se passer. Le calme tendu, hein, il faut dire, a laissé place à un certain optimisme, voire même à une euphorie. Les sourires se sont largement affichés ici sur le visage des militants du Likoud qui reviennent à peine du terrain, et sur ceux également des ministres. On a vu Israël Katz, on a vu le député Dani Danone accorder avec un très large sourire de nombreuses interviews aux différentes chaînes de télévision israéliennes. Et le public ici scande depuis tout à l'heure. Regardez qui arrive à grands pas. C'est le nouveau Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Bibi, Bibi, voilà ce qu'on peut entendre depuis plusieurs minutes ici au QG du Likoud à Tel Aviv. On apprend également que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a téléphoné à Naftali Bennett, le président du parti Foyer Juif, à qui il a grignoté plusieurs voix, puisque il est, pour ainsi dire, il a pulvérisé le score du parti qui était donné nettement plus en haut dans les sondages, avec seulement 8 sièges. Le Foyer Juif donc est peut-être le grand perdant de cette soirée électorale, des voix qui sont revenues finalement au Likoud, si bien que, pour reprendre les termes d'un édito paru cette semaine dans la presse israélienne, Benjamin Netanyahou s'est rendu au grand rassemblement de la droite israélienne dimanche soir en prédateur fratricide, pour ainsi dire, hein, sous couvert d'une réunion de famille. Il a voulu, et c'est très certainement un pari qui lui a réussi, grappiller des voix à la droite radicale. Pari réussi donc aujourd'hui pour Benjamin Netanyahou. Un mot, Cyril, justement, sur ce que va faire le Premier ministre. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il est prévu qu'il vienne bientôt là où vous vous trouvez, au siège du Likoud à Tel Aviv? Oui, oui, bien sûr. Il est prévu qu'il quitte sa résidence de Jérusalem pour se rendre ici aux alentours de 23h, 23h30. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Le podium l'attend, ses militants aussi. La nuit va être très très longue et les calculatrices commencent à chauffer pour savoir de quelle manière Benjamin Netanyahou pourrait éventuellement former la prochaine coalition gouvernementale. Merci Cyril, à tout à l'heure évidemment, et dès que Netanyahou arrive, on vous retrouvera pour vivre ça en direct. Alors on va vous remontrer, pour faire une synthèse, parce que ça fait 20 minutes évidemment qu'on vous a donné les premières tendances, voici ce que donne
donne les trois chaînes israéliennes pour donc ses premières estimations ce soir. Vous voyez, on est d'accord pour 27 côté Union sioniste et la deuxième chaîne, elle donne une avance, c'est la seule à le faire, au Likoud avec 28 sièges, les deux autres donnent 27. Vous voyez que c'est à peu près équivalent pour les estimations de la liste arabe unie, entre 12 et 13 sièges, également pour Lapid entre 11 et 12 sièges, et puis Kahlon, Kulanu, là aussi entre 9 et 10 sièges, Bennett aussi, là aussi les trois chaînes sont à peu près d'accord, 8 ou 9, en tout cas voilà, on a des résultats assez homogènes pour ce qui concerne les principales listes. On va maintenant regarder les autres listes, car là aussi c'est intéressant, parce que ce sont des partis qui vont avoir un rôle à jouer, vous le voyez pour le parti orthodoxe Chasse, parti qui représente la communauté séfarade, on est à 7, pour le parti unifié de la Torah, on a aussi entre 6 et 7, 5, là tout le monde est d'accord pour Lieberman, donc d'Israël Beitenu, qui maintient donc sa présence à la Knesset, tout comme Meretz, le parti de la gauche israélienne qu'on disait peut-être menacée, mais qui devrait obtenir 5 sièges, pas d'entrée donc pour le nouveau parti orthodoxe Yahad, qui d'Elishai, qui ne rentre pas selon ses estimations à la Knesset. Alors, il faut maintenant peut-être tirer aussi déjà les premiers enseignements. Est-ce que c'est aujourd'hui, dans les deux derniers jours, là, que Netanyahou a refait son retard, parce qu'il a vraiment usé, abusé de la parole, alors qu'on ne l'avait pas entendu durant la campagne, Emmanuel Lavalle, là, jusqu'à aujourd'hui, très tard, il s'est exprimé. Oui, je pense que quand il a vu les derniers sondages, il a commencé effectivement à paniquer, d'où ces interviews incessantes, et également d'où le message qu'il n'a cessé de faire passer, à savoir que d'abord, il y avait une partie des déçus du Likoud qui ne comptaient pas voter, et là, il leur a dit, écoutez, vous avez peut-être quelque chose contre moi, vous êtes peut-être déçu de ma politique, mais si vous n'allez pas voter, vous allez vous retrouver avec un gouvernement de gauche. Donc ce message a été entendu. Et également, comme cela a été dit ce soir, l'électorat de Bennett et de Lieberman, en leur disant, si vous votez pour vos partis sectoriels, russophones ou religieux, sachez qu'on risque, nous, le Likoud, de se retrouver à 3, 4, voire 5 députés derrière les travaillistes, et ce sont eux qui formeront la coalition. Ces deux messages ont été entendus, d'où effectivement ce résultat qui ne fait que contredire la plupart des sondages et la plupart des prévisions également des journalistes, de beaucoup de journalistes en tout cas en Israël. Donc je pense que ce double message a eu son effet. Pierre Besnénou, pour l'Union sioniste. Je suis d'accord, c'est un fait. À l'heure qu'il est, on peut considérer effectivement que le bloc de droite, d'extrême droite, l'a emporté. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un mois, le bloc de droite, d'extrême droite, donnait le sentiment d'être gagnant. Il y a eu un peu d'espoir dans les deux dernières semaines sur certains sondages, mais fondamentalement, on revient pratiquement aux prévisions d'il y a 3-4 semaines. La chose qui m'inquiète particulièrement, c'est que on pouvait considérer Bibi Netanyahou à droite, et puis aujourd'hui, Bibi Netanyahou a été à prendre le message de Bennett, les messages des plus de droite et d'extrême droite, de Lieberman, de Bennett, et force est de constater que le gouvernement qui sera probablement à la tête de l'État d'Israël dans les prochaines semaines sera un gouvernement encore plus de droite et d'extrême droite pour le pays. Personnellement, effectivement, d'entendre qu'il n'y a plus, en tout cas dans l'agenda d'Israël, d'État palestinien, que l'on revienne sur une situation, y compris avec l'Iran, qui est de plus en plus inquiétante, puisque les 6 dernières années de Bibi Netanyahou, on a vu 3 fois plus de centrifugeuses, 10 fois plus d'uranium, et le débat venant Iran contre Israël, alors qu'on avait espéré que le monde soit confronté au problème de l'Iran, on a une dérive qui aujourd'hui va certainement s'accentuer dans les prochaines semaines, et je ne parle pas de la fracture sociale où effectivement on ne peut pas dire que ces 6 dernières années nous ont rassurés. Donc oui, le gouvernement sera très probablement un gouvernement de droite et encore plus d'extrême droite, puisque lui-même, Bibi Netanyahou, a été complètement épousé les thèses de l'extrême droite, mais ça a fonctionné. Ça peut aller vite d'ailleurs, Dror, là, la coalition peut se former assez vite selon vous ?
Elle peut se former assez vite. Maintenant, le tout est de savoir ce que veut Benjamin Netanyahu. S'il veut un gouvernement resserré, effectivement, plutôt dont l'axe idéologique est à droite, ou s'il veut d'un gouvernement de large coalition où il pourrait, mais dans des conditions qui sont meilleures de son point de vue, eh bien, gouverner avec le centre-gauche, avec l'Union sioniste, avec Yitzhak Herzog. Encore faut-il que ces derniers en expriment la volonté. Donc, on ne sait pas. Ce qui est plus probable, effectivement, c'est un gouvernement resserré. Mais Benjamin Netanyahu sait qu'un gouvernement dont la majorité repose sur les voix des partis orthodoxes et sur les voix de Naftali Bennett et d'Avigdor Lieberman ne serait pas forcément ce qui peut être de plus populaire vis-à-vis de l'opinion publique israélienne dans son ensemble. Parce que oui, avec Moshe Kahlon, pour le centre, qui remplacera en fait Yair Lapid dans sa coalition, puisque Benjamin Netanyahu a toujours besoin d'un parti sur son centre. Maintenant, les partis de la droite radicale sont quand même nettement affaiblis. Alors, on marque une pause, on vous retrouve dans un instant, juste après cette pause. זה היום שלנו, זה היום של כל מי שאוהב את ארץ ישראל. הבחירות הללו הן בין שינוי ותקווה לבין ייאוש ואכזבה. כמה שיהיה לנו יותר מנדטים, יהיה לנו יותר כלים לעשות רפורמות ושינויים לטובת אזרחי מדינת ישראל. I just said the obvious for me, that this would not be an obstacle to form another government and to change Netanyahu's government. Soirée spéciale élection israélienne. On est dans ce studio pour vous faire vivre eh bien, tous les événements de cette soirée. On vous a donné les premières estimations il y a une demi-heure. Score très serré, mais plus important que prévu pour les deux blocs, Likoud et Union sioniste. Mais donc, d'après les premiers calculs de nos analystes ici en plateau, Dror Evensapir et Daniel Haïk, eh bien, c'est Benjamin Netanyahu qui est en mesure de former une coalition de droite ce soir. On vous remontrera tout ça dans un instant. On est avec Emmanuel Navod pour le Likoud, Pierre Besnénou pour l'Union sioniste. Et on va retrouver justement au siège, au QG de l'Union sioniste à Tel Aviv, Julien Baloul. Julien, pour avoir la température d'abord, est-ce qu'on a l'impression que c'est fait, que la coalition est perdue, que le gouvernement est perdu pour Herzog ce soir? Ah, pas du tout, c'est pas du tout l'atmosphère qui règne ici à l'Union sioniste, Jean-Charles. Je parlais tout à l'heure à un militant de gauche, je leur disais, mais vous faites la fête alors que vous êtes à égalité, vous n'avez pas gagné. Il m'a dit oui, mais on fait la fête parce qu'on n'a pas perdu. Parce que la gauche a tellement l'habitude de perdre. Je vous rappelle que la gauche a perdu en 2001, en 2003, en 2006, en 2009, en 2013. Donc c'est la première fois que la gauche arrive à un score aussi haut depuis 1999. Donc même si la gauche n'a pas un net avantage sur la droite, le seul fait qu'elle soit à égalité du premier parti de droite, pour la gauche, c'est une victoire. L'autre victoire pour la gauche, c'est que le petit parti d'Eli Schall ne soit pas entré dans la Knesset, que le parti Meretz, lui, soit bien resté dans la Knesset, et que le parti religieux de Naftali Bennett ne soit pas, est entré dans la Knesset, mais n'ait pas eu le score annoncé il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il a vraiment chuté. Les militants ici veulent encore y croire, Jean-Charles. Ils estiment qu'une coalition est toujours faisable. Finalement, tout dépend des voix du centre, à savoir Kahlon et Lapid, qui ensemble sont autour de 20 sièges. Ce n'est pas négligeable, Jean-Charles. L'autre donnée importante, c'est si les Arabes soutiennent la candidature de Herzog auprès du président. C'est aussi une voix pas négligeable. Ça veut dire que ça donnerait une majorité à Herzog s'il a le soutien des Arabes, le soutien du centre et du Meretz. Il pourrait former un gouvernement. Bien sûr, il devra alors prendre en compte les Arabes qui pourraient ne pas entrer au gouvernement mais qui pourraient exiger des places dans les commissions. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'on sait que Kahlon avait dit qu'il n'entrera pas dans un gouvernement qui dépendra de la gauche. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ici, à gauche, on y croit encore. Bon, ben, c'est peut-être pas le cas ici en studio, Pierre Besnénou. Merci, hein, Julien Baloul. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, dès que Yitzhak Herzog vient faire son entrée. Il y a encore de l'espoir, vous pensez, comme le semblent le penser les militants là-bas au siège? Écoutez, je crois que les choses
doivent être clairs là aussi. Si Carlon accepte une proposition de Bibi Netanyahou, les jeux sont faits. On compte 62, 63, 64 Carlon, voix. Carlon, ancien membre du Likoud. Hein, ancien rappeler, membre du Likoud. Ouais. Et si Bibi Netanyahou... Mais aussi Carlon en bisbis très sérieux avec Benjamin Netanyahou depuis... Oui, mais il y a le pouvoir au bout. On est d'accord. Non, mais Daniel, si Carlon accepte, les jeux sont faits. On peut tourner les chiffres comme on le souhaite. Malheureusement, les jeux sont faits. Encore une fois, je tiens à rappeler que ces chiffres, ce sont ceux que nous avions il y a 3 semaines, 4 semaines. Le bloc de droite était majoritaire et on a espéré pendant 2 semaines. Et effectivement, la situation est revenue à celle d'il y a 2 semaines. Il y a quand même un autre élément à ajouter, c'est que, encore une fois, théoriquement, Yitzhak Herzog a une coalition avec Moshe Kahlon, Lapid et les partis orthodoxes, mais mettre Lapid avec les orthodoxes, c'est quasiment impossible. Ouais. Et deuxième chose, n'oubliez pas une chose concernant Kahlon qui est très importante. Kahlon a quitté le Likoud, mais Kahlon sait très bien que s'il a des visées nationales, il devra revenir au Likoud. Or, si, comme je le pense, au bout du compte, il utilise ces quelques années en tant que ministre des Finances pour se former une image publique, ensuite revenir au Likoud et se présenter à la tête du Likoud pour succéder à Netanyahou, recommander aujourd'hui un gouvernement travailliste, c'est brûler les ponts avec la base du Likoud, donc c'est quasiment impossible qu'il le fasse. Il aurait pu le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il avait obtenu un mauvais score. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc effectivement, comme le dit M. Navon, Moshe Kahlon a tout intérêt à rejoindre un gouvernement créé et établi par Benjamin Netanyahou. Quelques petits éléments d'information, Jean-Charles. On parlait tout à l'heure de l'ambiance qui règne au quartier général de l'Union sioniste du centre-gauche. Julien Balloul nous disait que les militants de l'Union sioniste continuer malgré tout à y croire. Et effectivement, eh bien, un communiqué officiel de l'Union sioniste nous dit que, selon l'Union sioniste en tout cas, la droite nous trompe. Il faut attendre les résultats définitifs. Et c'est déjà arrivé, gouvernement, qu'il y ait des aversions. C'est toujours possible. Et qu'un gouvernement établi par les Yitzhak Herzog serait possible. On est tous d'accord autour de cette table, c'est très peu probable pour l'instant. Mmh. Autre élément d'information important, Benjamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, Arié Deri du parti Chasse. Mm-hmm. Donc il rassemble un bloc droite religieux solide de manière à ne pas laisser d'autres alternatives à Moshe Kahlon qui va donc probablement le rallier. Ouais. Alors, il ne faut pas parler d'un parti, le parti de Yesh Atid, de Yair Lapid, de la même manière... Mais le centre qui est un peu en recul, finalement. Voilà, alors qu'il y a eu un déplacement, on s'attendait à une sorte de remake de son succès de 2013, lorsqu'il avait obtenu 19 mandats. Et là, on voit que quelque part, Yair Lapid est entre 11 et 12 mandats. Quelque part, là aussi, une partie de l'électorat de Yair Lapid est allée renforcer le camp sioniste, justement parce qu'on avait le sentiment, quelque part, qu'il y avait une menace de la part de la part du Likoud. Il y a eu aussi ce déplacement de voix de Yair Lapid vers Yitzhak Herzog. Et c'est au détriment d'Yair Lapid. Et Yair Lapid ressort considérablement affaibli donc de cette confrontation. Il faut savoir que... à la question de savoir qui est tenu pour responsable de ces élections anticipées que nous venons de vivre, eh bien, jusqu'à présent, on avait peut-être le sentiment au cours des dernières semaines que c'était Benjamin Netanyahou, que le peuple tenait pour responsable. Il n'est pas impossible que quelque part là aujourd'hui, on dise, eh bien, Lapid aussi avait sa responsabilité dans sa position trop ferme face à Benjamin Netanyahou, dans sa responsabilité dans le devancement de ces élections anticipées que beaucoup d'Israéliens considéraient comme superflues. Ouais. Vous considérez que le centre s'est affaibli ce soir. Bien sûr, Kahlon arrive et va obtenir autour de 10 sièges, mais il n'y a pas le même effet de surprise peut-être qu'en 2013 avec Lapid. Non, c'est vrai, mais tout le discours de Kahlon était quand même plutôt basé au centre. Et si vous reprenez les chiffres, non, le centre reste à peu près ce qu'il était il y a quelques semaines. On a juste malheureusement, effectivement, en tout cas malheureusement pour l'Union sioniste, eu à nouveau un balancement de 3-4 sièges, ça se joue encore une fois à 3-4 sièges, vers la droite, l'extrême droite et les orthodoxes. Et donc on repart sur la configuration qui était prévue il n'y a pas longtemps et qui était la configuration d'il y a
d'il y a deux semaines, selon les sondages, c'est-à-dire un bloc de 62 ou de 63 voix que Netanyahou a aujourd'hui. Sur la question du centre, n'oublions pas que si on regarde les résultats d'aujourd'hui, à savoir Yesh Atid et Kahlon, nous avons exactement le même chiffre que ceux de 2013, puisque à l'époque, Yair Lapid avait 19, mais il y avait également les deux voix de ce qui restait du parti Kadima. Donc on est exactement avec les mêmes chiffres, sauf qu'il y a eu un effet de vases communicants. C'est la seule différence. Je crois quand même que Benjamin Netanyahou a, j'espère en tout cas peut-être, qu'il a entendu la leçon de l'électorat israélien, c'est-à-dire que effectivement sur le dossier sécuritaire, il reste le maître à bord, mais sur le dossier social, il faut absolument être sérieux. Et quelque part, il l'a dit il y a quelques jours, lorsqu'il a appelé Moshe Kahlon et qu'il a invité à prendre le portefeuille des finances, il a dit « nous allons travailler ensemble dans le dossier social ». Et là, Benjamin Netanyahou ne pourra pas faire abstraction d'une œuvre de restauration du dossier social en Israël avec Moshe Kahlon. Ce qui est en train de se passer, Dror, il faut l'expliquer évidemment à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que là, dès ce soir, commencent les tractations des deux camps, finalement, que ce soit l'Union sioniste ou peut-être qu'il y a encore l'espoir, et le Likoud, on contacte déjà les autres partis pour former la coalition, c'est ça ? Oui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Benjamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec les leaders des partis satellites ou de ce que l'on appelle en Israël les partenaires naturels du Likoud, que sont les partis de droite, dirigés par Naftali Bennett et Avigdor Lieberman, respectivement, mais aussi un soutien important, même s'ils sont en baisse par rapport à la précédente Knesset, les partis orthodoxes, Aryeh Deri, le dirigeant du Ch'ass, et également Yaakov Litzman du Yadrut HaTorah, les mandats de ces deux partis sont quasiment assurés du point de vue de Benjamin Netanyahou. Et comme on l'a dit, effectivement, il aurait été très très difficile pour Herzog de concilier la carpe et le lapin en rassemblant dans un même gouvernement le centriste libéral laïque Yair Lapid et les partis orthodoxes. Ouais. Alors on va aller à Jérusalem retrouver Maxime Peres qui est à la Knesset, là où se trouve le comité central donc des élections. Maxime, d'abord, est-ce qu'on a des nouveaux chiffres à donner concernant la participation ? Les premières tendances sont-elles conformes à celles que vous entendez là-bas ? Écoutez, étrangement, alors que la commission électorale de la Knesset avait annoncé une conférence de presse, une déclaration aux alentours de 22h15, heure israélienne, et pour l'instant, cette commission reste muette. On n'a pas de nouvelles indications sur le taux de participation qui, néanmoins, devrait se situer au-dessus de la barre fatidique des 70% qui était espérée par les responsables politiques. Ce qu'on dit ici, c'est que les électeurs israéliens, jusqu'au bout, se sont rendus dans les urnes pour aller voter. Peut-être que cela explique aussi en partie les résultats serrés, cette lutte au coude à coude entre le camp sioniste et le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud. Maxime, on rappelle que c'est à Jérusalem que tout va se passer maintenant, puisque c'est là aussi que le président Rivlin va appeler celui qui va être pouvoir former cette coalition. Oui, le bal des tractations entre les différents partis va commencer, notamment le parti travailliste de Yitzhak Herzog et le Likoud de Benjamin Netanyahou. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, le président de l'État, Reuven Rivlin, a annoncé il y a quelques instants qu'il œuvrerait pour un gouvernement d'unité nationale qui associerait à la fois le Likoud et la gauche israélienne. Mais évidemment, tout au long de la nuit et demain, des tractations vont avoir lieu. Et surtout, il faut rappeler que le décompte des voix n'est toujours pas terminé, qu'il va se poursuivre tout au long de la journée de demain et que des résultats définitifs devraient être annoncés dans le courant de la journée de jeudi. Merci Maxime Peres, en direct donc de la Knesset à Jérusalem. Maxime nous parlait de ces tractations des deux côtés, pas alors seulement voilà, côté Likoud. Dror disait qu'il y a eu des coups de téléphone de Benjamin Netanyahou à ses potentiels partenaires, mais il faut savoir qu'il y a aussi des coups de téléphone d'Herzog, par exemple Aryeh Deri. Herzog ne lâche pas le morceau, il reste, c'est-à-dire il veut donner l'impression qu'il est aussi vainqueur, il veut donner l'impression qu'il y a une parité, il n'y a pas de raison que Benjamin Netanyahou soit devant, surtout si à la fin du décompte, eh bien le parti, l'Union sioniste arrive un mandat devant. Parce que, rappelez-vous, c'est même Benjamin Netanyahou qui l'a dit. Le président de l'État nous a annoncé, nous a fait savoir qu'il confierait la formation de la coalition gouvernementale au parti le plus important. C'est une des phrases de Benjamin Netanyahou il y a quelques semaines. Une demande de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'il avait annoncé pour essayer de mobiliser son électorat. Il voulait faire passer une loi dans ce sens. Donc il va
probablement, je l'espère, alors, respecter qui va là être, aussi son souhait. On va voir qui va être alors, le premier parti. Alors si on regarde les dernières les estimations, hein, on rappelle, il y avait une voilà, chaîne 28, 27, israélienne 27, qui donnait 28 pour Likoud, 27. Et il y a une troisième personne qui doit aussi faire des tractations téléphoniques ce soir, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui va essayer de commencer à tâtonner, à savoir qui va recommander lequel des leaders. Est-ce que, par exemple, les partis orthodoxes vont recommander Herzog ou vont recommander Netanyahou? Tout cela va prendre quelques jours jusqu'au résultat, à la publication. Pendant 2 jours, ce sera officieux, jusqu'à la publication officielle des résultats. Et après, il y aura une démarche officielle de la part du président qui va convoquer chacun des partis. Et chacun des chefs de partis confiera au président qui il considère être le plus apte à former la coalition gouvernementale. Bon, vous pensez qu'il y a une chance que Rivlin appelle Herzog plutôt que Netanyahou, Emmanuel Navon, ce soir? Vous savez, le président agit en fonction de la loi. La loi électorale dit clairement que le président doit donner le mandat aux membres de la Knesset qui a les meilleures chances. Comment est-ce qu'on sait s'il a la meilleure chance? Tout le monde voit les résultats, mais également il y a les recommandations des différents chefs de parti qui arrivent vers le président avec leurs recommandations. Encore une fois, d'après les derniers sondages, le Likoud est en tête, mais cela ne doit pas être considéré, à mon sens, comme un élément important pour former la coalition. On l'a rappelé tout à l'heure, en 2009, le parti Kadima est arrivé en tête avec 28 sièges, mais n'avait pas de coalition. Personnellement, je me suis opposé à la déclaration du Premier ministre au début de la campagne pour demander à ce que ce soit le plus grand parti qui forme la coalition, puisque je pense que c'était une mauvaise idée. Il avait à mon sens eu tort de le dire, parce que si tel était le cas, alors cela risque de bloquer complètement la formation de coalition. Aucune raison de soutenir une telle demande. Tant que, bien entendu, l'écart n'est pas grand. Mais si l'écart est minime, comme c'est le cas aujourd'hui ou comme ça l'était en 2009, pourquoi bloquer dès le début la formation de coalition potentielle? Alors, je lis cette déclaration qui est relayée par le site i24news.fr, qui est celle du président Rivlin, qui déclare, là, à l'instant, « Seul un gouvernement d'union nationale peut empêcher le démantèlement de la démocratie ». Qu'est-ce que ça signifie? Il va peut-être un petit peu fort. Hein. Démantèlement de la démocratie, ce sont des mots très durs de la part de Reuven Rivlin, qu'on a connu un petit peu plus mesuré dans ses propos. On sait depuis déjà longtemps que c'est l'un des souhaits, effectivement, du président de l'État, Reuven Rivlin, de favoriser les conditions d'établissement d'un gouvernement d'union nationale. Ce qu'il ne prend pas en considération, c'est que une assez courte majorité, mais une majorité tout de même d'Israéliens, ne veut pas d'un gouvernement d'union nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il peut y avoir en tout cas un gouvernement qui va du centre de Moshe Kahlon jusqu'à Naftali Bennett, avec, on a dit, une majorité courte mais réelle autour de Benjamin Netanyahu. Je crois que ça ne veut pas dire grand-chose que les Israéliens ne veulent pas d'un gouvernement d'union nationale, parce qu'en fait, c'est un gouvernement d'union nationale s'impose, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En 1984, en 1988, il n'y avait pas d'autre solution, et que les Israéliens le veulent ou pas, eh bien, ils ont dû s'interroger sur ce que veut Benjamin Netanyahu et sur ce que veut Yitzhak Herzog. Est-ce que c'est l'intérêt politique de Benjamin Netanyahu de gouverner, d'être à la tête d'un gouvernement resserré qui bénéficie d'une majorité courte mais réelle et qui se dessine des chiffres dont nous disposons, ou à la tête d'un gouvernement élargi, d'un gouvernement d'union avec Yitzhak Herzog? Est-ce que Yitzhak Herzog accepterait de jouer les seconds couteaux dans un gouvernement Netanyahou sans rotation au poste de Premier ministre? Rien n'est moins sûr. Il faut rappeler à ce propos qu'Yitzhak Herzog lui-même a siégé dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui était une forme de parti. Oui, il était pas chef de parti. Il a siégé dans le parti avec Ehud Barak, dans une sorte de gouvernement d'union nationale, puisque Barak représentait l'aile gauche de ce gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donc il y a des précédents. Herzog, on l'a dit dans le passé, avait une tendance à essayer d'être favorable à l'union nationale. Daniel, le parti travailliste d'Ehud Barak à l'époque n'a rien à voir avec le parti travailliste d'Yitzhak Herzog aujourd'hui. C'est un parti qui s'est un petit peu gauchisé tout de même. On imagine mal des gens comme Shelly Yachimovitch, Amir Peretz, les jeunes, Staff Shafir, accepter un gouvernement d'union nationale. Il ne faut pas oublier non plus que Herzog ne contrôle pas son parti. Il est minoritaire dans son propre parti. C'est vrai, comme ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a au sein du parti travailliste toute une aile des nouveaux députés dirigés par Yachimovitch qui, eux, sont fermement opposés
à la constitution d'un gouvernement national où le Parti travailliste servirait presque de roue de secours pour un gouvernement du Likoud. C'est ce que des gens comme Yakimovitch n'ont cessé de critiquer dans les années 2000 en disant finalement nous ne servons que de roue de secours au Likoud et c'est ça qui nous fait tomber dans les sondages. Donc ils ne retomberont pas dans ce piège, d'autant plus qu'encore une fois, Herzog finalement est assez minoritaire dans son propre parti puisque tous les courants favorables à Yakimovitch sont majoritaires. Dernier point, je crois que la déclaration du président de l'État en disant que si ça n'est pas une union nationale, c'est une menace pour la démocratie, est une déclaration complètement aberrante, qu'il a outrepassé ses prérogatives et ses pouvoirs. Et je pense qu'il aurait fait vraiment... il a perdu une occasion de ne rien dire là-dessus. – Alors, Pierre-Mesnénou ? – Non, encore une fois, on peut faire toutes les combinaisons que l'on veut ce soir. Et effectivement, les tractations ont commencé. Il est vrai que, comme vient de dire Daniel Haïk, Herzog ne va pas baisser les bras ce soir, c'est exclu, et que si l'on fait un calcul avec Arié Derry et Carlon, Meretz, on arrive à 62 sièges du côté de l'Union sioniste. Bien sûr, Lapid étant un allié naturel de Herzog. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut continuer à faire des combinaisons. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la position surprenante du président de l'État. Important quand même de rappeler, on verra les résultats finaux, mais si Bibi Netanyahou respecte ce qu'il a demandé et que Herzog arrive à 28 sièges et le Likoud à 27 sièges, j'espère que Bibi Netanyahou aura l'élégance de dire, moi qui suis partisan et qui ai proposé à ce que ce soit le président du premier parti, je laisse en tout cas la démocratie se faire de cette manière-là, ce qui pourrait encore changer les choses. Et peut-être, sans vouloir être provocateur, mais puisqu'on parle de démocratie et que nous sommes tous autour de cette table des fervents défenseurs de la démocratie, mais il y a 120 sièges à la Knesset et les 12 sièges des partis arabes, ça représente aussi une liste qui amène à changer de façon significative les chiffres. Alors c'est vrai. En deux, probablement. Alors c'est vrai, c'est pas politiquement correct aujourd'hui parce que là-dessus c'est très sensible. Mais si vous rajoutez les 12 sièges des listes arabes, ben on arrive avec Carlon et peut-être Arié Derry à avoir une majorité de plus de 70 sièges. Donc alors, toutes les combinaisons sont possibles. Alors justement, vous parlez de... C'est pas tellement plus cohérent aujourd'hui, effectivement, de revoir des partisans comme Carlon rejoindre le parti de Bibi Netanyahou après avoir claqué la porte en disant que c'était impensable de travailler dans ces conditions. Il y a aussi beaucoup d'incohérences. Alors on va aller dans un instant à Nazareth à retrouver justement Léa Berdugo qui suit au siège donc de cette liste arabe unifiée. Comment est apprécié ce résultat qui, c'est vrai, est important hein, quand on le regarde selon les premières estimations entre 12 et 13 sièges. On va vous remontrer d'ailleurs, puisque ça fait maintenant presque une heure qu'on vous a donné ces premières estimations. On va vous redonner les estimations pour vous rappeler ce que donne la carte politique israélienne ce soir après cette élection à la Knesset. Vous voyez que le Likoud est donné avec une voix d'avance, un siège d'avance donc devant l'Union sioniste, mais c'est très serré, 28-27, 13 pour la liste arabe unie, 12 pour le centre Yesh Atid avec Yair Lapid, 9 pour l'autre parti centriste, plutôt centre droit, Moshe Carlon et Kulanu, et puis 8 seulement pour Naftali Bennett avec le foyer juif. Et puis on va voir l'autre animation qui nous donne cette fois les partis notamment orthodoxes qui sont deux à se maintenir donc dans la Knesset, Chasse avec 7 sièges, le parti de la Torah, unifié de la Torah avec 6 sièges, et puis Meretz, le parti de gauche, 5 sièges, et celui d'Avigdor Lieberman, 5 sièges, donc Israël, Beitenu, pas d'entrée à la Knesset, donc selon ses estimations, pour l'autre parti religieux, Yahad. Une remarque peut-être. Ces deux partis qui franchissent un petit peu de justesse le seuil d'éligibilité, le Meretz et le parti David dans le Lieberman. Alors on n'a pas les chiffres précis, mais si avec le décompte réel des voix et avec le décompte des voix des soldats, des diplomates, les choses évoluent d'une telle manière que l'un des deux partis soit éliminé, eh bien là encore, toutes les cartes seront redistribuées. C'est peu probable, mais on a déjà connu de grandes surprises. Alors, retournons à Nazareth, parce qu'on a retrouvé la liaison avec Léa Berdugo, justement, qui se trouve donc au siège de la liste arabe unifiée. Léa Berdugo, comment est-ce qu'on apprécie ce résultat possible de 12 ou 13 sièges? Est-ce que c'est considéré comme une victoire ou une déception?
Écoutez, c'est considéré comme une victoire pour certains et comme une déception pour d'autres. On a entendu la tête de liste Ayman Odeh pour qui c'est une victoire. Déjà, le simple taux de participation des Arabes israéliens a été compté à 65% de participation à la fin du scrutin. C'est nettement plus que lors des précédentes élections. On le rappelle, les Arabes israéliens étaient à l'époque 56% à s'être rendus aux urnes. Alors, quand on écoute Ahmed Tibi, numéro 2 de la liste, eh bien, le son de cloche est tout à fait différent. Il nous l'a dit, il est déçu que les Israéliens ne se soient pas beaucoup plus mobilisés pour leur liste, mais ils l'assurent, dès demain, ils seront sur le pied de guerre pour voir la réponse qu'ils peuvent apporter. Et il le dit, nous sommes tout de même la troisième force politique à la sortie de ces élections, donc nous verrons quelle sera la réponse dès demain matin. Merci Léa Berdugo. Unifier la troisième force politique du pays, elle va certainement se scinder parce que on a parlé des différences idéologiques que ces différents partis arabes ont dû surmonter pour constituer cette liste unique. Mais sur la question de savoir qui ces députés arabes vont recommander pour le poste de premier ministre, il y aura forcément une scission entre l'aile la plus modérée entre guillemets, le Khadash et Ahmed Tibi qui penche pour une recommandation en faveur de Herzog, et les plus radicaux, les islamistes et le parti Balad, qui, eux, ne veulent recommander absolument aucun candidat. Il y a une déclaration de Ayman Odeh, le leader de la liste, qui affirme que nous ferons tout pour empêcher la droite de former un gouvernement. C'est ce qu'il a déclaré ce soir. Effectivement, il n'y a pas de percée du côté des Arabes israéliens. On attendait vraiment une forme de surprise de la part dans ce secteur arabe israélien. Une mobilisation peut-être un peu plus massive, même si elle est déjà plus importante qu'en moyenne. Vous savez qu'en moyenne, le taux de participation des Arabes israéliens est de 10 à 12% inférieur au taux de participation national. Mm-hmm. Là, il est de 5 à 7% inférieur. Donc il y a une mobilisation, mais pas suffisante. On parlait de 14, 15 mandats. Finalement, les Arabes israéliens restent à 13, 12. Ce n'est pas la percée que l'on attendait. Et malgré tout, si je reviens sur l'option d'un gouvernement d'union nationale, eh bien, la liste arabe unie, si elle reste unie, eh bien, pourrait être donc la principale formation de l'opposition. Et on pourrait avoir dans ce cas de figure assez exceptionnel le leader de cette liste, Ayman Odeh, qui serait le chef de l'opposition avec toutes les prérogatives que cela peut apporter à un chef de l'opposition. Emmanuel Navon. Personnellement, je vois difficilement cette liste unie, rester unie après les élections, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une union entre des communistes et des islamistes et des nationalistes nassériens qui se sont mis ensemble pour passer le seuil d'éligibilité. Mais je les vois difficilement continuer à fonctionner ensemble après les élections. Et par conséquent, surtout si on se dirige de toutes les manières vers un scénario d'un gouvernement droite orthodoxe, ils seront dans l'opposition. Et dernier point, n'oubliez pas que quand on regarde la proportion de la population arabe en Israël vis-à-vis de la population totale et le nombre de députés, il y a beaucoup moins proportionnellement de députés arabes à la Knesset que leur réel chiffre dans la population israélienne. Si tous les Arabes israéliens allaient voter et voter tous pour des partis arabes, il y aurait beaucoup plus de députés arabes à la Knesset. Or, beaucoup ne votent pas et tous ne votent pas pour les partis arabes. Il y a également des Arabes israéliens qui votent pour des partis généraux. Pas beaucoup, effectivement, mais c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors, on va vous donner dans un instant les premières réactions communiquées de Netanyahou, qui parle d'immenses victoires pour le camp national israélien. Évidemment, ce sont les réactions à chaud, après donc ces premières estimations. Taux de participation presque définitif que nous communique Maxime Pérez depuis Jérusalem, 71,8%. C'est plus qu'au cours des dernières élections législatives, il y a un peu plus de deux ans, puisque, si mes souvenirs sont bons, on frôlait la barre des 70%. Là, il y a un sursaut, donc on peut se réjouir, bien évidemment, de l'électorat israélien. Peut-être. On remonte nettement par rapport à 2009, c'était à 63% en 2009, 67% en 2013. Ce qui peut surprendre, étant donné, on aurait pu se dire, voilà, les Israéliens sont appelés aux urnes deux ans à peine après les précédentes consultations électorales, mais non, il n'y a pas de lassitude démocratique, on peut s'en réjouir, et ça a profité finalement aux deux grands partis. Merci Dror Evensapir, Daniel Eyck, on va vous retrouver évidemment tout au long de cette soirée qui n'est pas finie. On va se retrouver juste après les infos, nouveau point sur l'information dans un instant avec Daniel Golmik, puis on revient pour cette spéciale élection, les réactions sans doute à venir en direct des principaux leaders. Merci Emmanuel Navon, merci Pierre Besnédou, et on vous retrouve dans un instant pour cette spéciale élection sur i24 News.